Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Comment ça va tout le monde? J'entends rien. J'entends absolument... Ouh bah pff. Comment ça va tout le monde? Et coucou Astre, coucou la patato, coucou Lucille et coucou Hello. Comment ça va? C'est encore fort, non? J'aime trop les musiques... Oh bah là on n'entend plus rien. J'aime trop les musiques de Planet Coaster et de Star... et de... J'aime trop les musiques de Planet Coaster et de Planet Zoo. Une petite passion en ce moment, j'aime trop. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour voir de... Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. J'ai fait des bêtises sur mon île. J'ai rasé beaucoup de choses. C'est le bordel. Et coucou Titi, coucou Akashio, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Et Runwave. J'ai rasé tout ce qui était devant la mairie, je vais vous montrer. J'ai rasé tout ça et j'ai rasé, et je pense qu'on va raser encore plus parce que ça ne plaisait pas. Ça me plaisait plus plutôt en fait, plutôt que pas, ça me plaisait plus. du coup j'ai tout rasé. Au secours des bêtises. Ouais, j'ai fait des petites bêtises. J'ai pas fait de bêtises, vous allez voir. J'ai tout enlevé. On va refaire, mais du coup, il y a du taf. Hein. Là, ça va être. On est parti pour de la construction. On est parti pour de la décoration, de l'aménagement. J'ai tout rangé, j'ai un peu tout rangé, mais j'ai pas tout rangé, c'est le bordel. En fait, j'ai laissé pas mal. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre. Et bonsoir, Pancake, comment ça va? Donc on va y aller. Je rappelle juste avant quand même qu'il y a un concours Animal Crossing sur le Discord. Ce concours là en fait c'est un concours, c'est des mots croisés. Donc si vous cliquez normalement sur le petit lien là, ça vous emmène sur le Discord. Si vous êtes déjà sur le Discord, ça va vous emmener directement sur l'espace Tombola. Sinon il faut accepter les conditions dans le channel Bienvenue. Et vous avez une grille de mots fléchés à remplir avec Effie, donc Dame Effie a mis des petites lettres pour vous guider.
Et il y a donc les lots qui sont, donc il y a 2 millions de clochettes, des tickets Nook Miles, les meubles, la collection des meubles craftés. Pas les crafts, les meubles craftés, champignons et érables, et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à dimanche pour participer. Et on fera la remise des prix la semaine prochaine. Coucou Justine, comment ça va? Coucou Astra, comment allez-vous tout le monde? Coucou Candice, coucou tout le monde! Et coucou Luffy, j'espère que vous allez tous très bien. Que vous avez passé, on est à la moitié de la semaine, hein, donc il ne reste plus que 2 jours à faire. On a fait plus que la moitié de la semaine, félicitations à nous. Avant le week-end, il ne reste plus que 2 jours. Et coucou, je campi. On dit campi ou j'y campi. Comment tu préfères qu'on t'appelle? Coucou à toi. J'espère que tout le monde va bien. Je vais lancer le jeu, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous remets le petit lien Discord si besoin. Le voilà. Et je vous envoie du love parce que vous méritez du love. Ah bah... Merci Franklin pour le love. Coucou les feufes, j'espère que vous allez bien. Désolée, mais je n'assisterai pas au live ce soir. J'ai des gros bugs de connexion en ce moment. Gros bisous, bonne soirée à les feufes. Des bisous Leïla. Alors oui, ça fait un peu écho au live de Frenchy, mais on n'est toujours pas partenaire Twitch. On est le soir, donc il n'y a pas le sélecteur de qualité. Hein. Il est pas là tout le temps. On va travailler là-dessus, même si. Je respecte complètement ce que fait Frenchy. Moi, par contre, je ferais pas ça. Frenchy, je te soutiens dans ce que tu fais, il y a absolument aucun problème. Je dis juste, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le live de Frenchy qui passent aussi sur mon stream, moi, je ferais pas ça. Donc, je suis désolée pour toutes les petites connexions. Je vous envoie du love, mais je pourrais rien faire de plus. J'ai déjà fermé en 720 parce que j'avais commencé à faire des streams en 1080, sauf que c'était le bordel, donc j'ai déjà downgrade un peu. Voilà, on est sur la chance. Je relancerai pas le stream à chaque fois pour faire le sélecteur de qualité non plus. J'avais déjà dit que je le ferais pas. Parce que de 1, ça fait des petits. Comme j'active les VOD, ça fait plein de vidéos que je refuse de passer mon temps à supprimer. Ça fait des notifications en chaîne et j'aime pas ça. Donc voilà. Mais en tout cas, merci Layla. Des bisous à toi. Des bisous à ceux qui ont des petites connexions. Un soutien hein, quand même. Mais voilà. J'ai bientôt fini les alentours de mon musée. GG, le fils GG. Je campi en prononciation, je préfère. Très bien. J'y campi. J'y campi. Très bien, j'y campi. Je note. j'ai rejoint ton Discord. Ça marche, pancake. Ne te tracasse pas. Ah, oh, merci Titi. On va y aller. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Non, en vrai ça va. En vrai ça va. Vous allez voir. Ça nous fait. En vrai, il y a d'autres endroits. Hein. Je vais vous montrer. On a déjà commencé à faire derrière la maison de Léa. Il y a d'autres endroits où j'ai envie de tout raser, mais bon, je me retiens. On va faire petit à petit. Pas de soucis, j'ai une bonne co. Merci Noël. On y va. Alors, je vais juste couper la musica. Boum. J'allume la Switch, je prends l'écran et je vous balance le retour. N'hésitez pas à me faire le sound check pour être sûr que vous ayez bien le son. Au secours l'écran. Voilà. Oula. Voilà. On y va. Normalement, vous avez du son. Dites-moi bien si c'est bien le cas. Je risque de diffuser pas mal de love ce soir. Pourquoi c'est un risque, Titi? C'est pas un risque, ça. Le love, tiens, moi j'en envoie. Hop, hop. Hop, hop, en plus maintenant j'ai un bouton pour le faire. Alors là moi je le balance. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Luffy va plutôt sur le Discord pour ça. Je pense que c'est le meilleur endroit. Vous avez bien le son? C'est fort. Tac. Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? C'est parti. Merci Noé pour le soundcheck. Je suis un peu émotionnée. Oh bah Titi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es émotionnée? T'es émotionnée de quoi? Mais j'espère que c'est dans le bon sens. Oula. Attendez, je fais mon réglage moi de mon côté parce que c'est un peu fort. Hein. Donc là, ça n'a pas changé. Là, il n'y a rien qui a changé. Hein. Jusqu'ici, on est raccord. Donc, juste, je vais vous montrer ce genre de petit chemin, vous voyez. Merci beaucoup, Efeline, pour ton follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va, t'inquiète pas. Ah bon, ça va, tu me rassures, Titi. Donc jusque là ça n'a pas changé. Alors attention, accrochez-vous bien à vos sièges. Hein. Si vous êtes allongé, bah restez allongé. Ça va être plus simple. On y va. Donc, vous vous souvenez qu'avant, le camping, alors ça faut que j'enlève, c'est plus d'actualité, voilà. Vous vous souvenez que le camping avant il démarrait comme ça. Donc là, déjà ça change. Vous voyez, là c'est fermé. Bam.
là on est fermé, donc il faut que je voie si je mets un arbre ici. Ah, ça c'est pour mettre la poubelle dehors que j'ai oublié, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Là il faut que je voie si je mets un arbre, je ne sais pas si ça passe, je crois pas, donc il faut voir, sinon je vais tout fermer et je vais faire une autre machine à bruit là. Donc ça commence ici, là il n'y a plus le camping. Je vais vous montrer l'étendue de la plage, vous allez comprendre. Voilà. Voilà le bordel. Bon ça va, en vrai ça va parce que j'ai rangé. J'ai rangé des trucs. Donc bon. Mais voilà l'étendue des dégâts sur la plage. Donc le camping a changé de place. Je voulais changer la tente, sauf que faut que je fasse 1000 trucs. Et que je crois qu'en fait on ne peut pas la changer. Parce que... Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse changer la tente de place. En tout cas je ne peux pas changer avec ce personnage là. J'ai essayé de le faire avec Ellie. Mon autre personnage, je n'ai pas réussi non plus. Parce qu'il faut que je rembourse le prêt. Sauf que j'ai la flemme de farm les tickets Nook Miles là. Enfin les miles du coup. Et je sais plus si une fois qu'on a fait les. Une fois qu'on a les 5000 Nook Miles, il évolue pas à la maison directe. Et du coup moi je veux pas, je veux garder absolument la tente. Ça va, c'est un bébé bazar. Oui ça va. Et du coup voilà, alors je vais vous montrer le gros changement par la mairie. Parce que vous voyez là, il n'y a plus rien. Mais ce qui change, c'est devant ma mairie finalement. Bonsoir Cyril, comment ça va? Moi ça va très très bien, merci. Donc là, jusque là, il n'y a pas de changement. Voilà. Oh, regarde ce gain, petit bouchon. Voilà. Un bras chou. Et c'est ici que ça change. Maintenant, nous avons un pont. Donc tout ça, là, avant, il y avait une espèce de montagne, tout ça. Là, il n'y a plus. Maintenant, on prend ce petit pont pour arriver de l'autre côté. Et là, vous vous souvenez, il y avait le verger, c'était fermé ici. Il y avait... En vrai, je me souviens même plus comment c'était. Enfin bon, bref, il y avait beaucoup de bordel. Enfin, c'était très étroit, très étriqué, ça ne me plaisait pas. Bonsoir, on peut changer l'emplacement des ponts. Oui, Astra, il faut aller chez Tom Nook. Il faut que tu aies la mairie évoluée. Et une fois que tu as la mairie évoluée, tu vas voir Tom Nook et tu lui dis que tu veux parler infrastructure et que tu veux démolir un pont. Voilà, il faut que tu démolisses. Tu peux pas changer de place comme ça, faut démolir d'abord. J'ai Abraham, je le kiffe pas plus que ça. C'est vrai, Luffy ? Bah, faut le faire partir. du coup, voilà, on en est là. Donc, j'ai cassé ici un peu. Je ne sais pas si je casse pas plus. Sachant qu'il y a la maison de Épicure derrière. Donc, vous voyez, il y a toute cette zone-là qui est encore en réflexion. Je ne sais pas si je garde ce pont ou si je le change. Et bonsoir, Fen, comment ça va ? Merci pour l'info, sinon, ton nez est vraiment sympa. Merci, Astra. Donc voilà, donc maintenant on a en fait ce petit pont. Voilà, en fait c'était juste. Donc il faut que je ferme aussi de l'autre côté pour qu'on ne passe que par là. On peut passer à travers comme ça ici. J'ai réduit un peu le verger, mais bon. Donc voilà pour l'instant. Ça va très bien, Fen. Il veut pas partir. Ah mince, Luffy. Il y en a qui prieraient pour que Abraham reste chez eux. Ou soit chez eux déjà. Et toi tu veux le faire partir, mais quelle angoisse. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Et là donc je pense que je vais casser encore ici parce que ça me plaît pas. Je ne sais pas où mettre le camping. Je pensais que je voulais le mettre ici, mais en fait le truc c'est que quand il n'y a pas de tente, ils auraient dû laisser la tente, vous voyez, mais genre ils auraient dû laisser la tente sur le camping et genre faire en sorte qu'on puisse pas rentrer ou qu'elle soit éteinte quand il n'y a personne. Parce que sincèrement, l'espèce d'estrade là, moi j'arrive pas hein, quand elle est en mode il y a personne, parce qu'il y a quand même plus souvent il y a personne qu'il y a quelqu'un, j'ai du mal en fait, ça me sort par les yeux, je ne sais pas quoi faire. Il venait de l'île de mon frère. Ah. Donc soit on casse encore ici et on refait l'entrée. Il faut absolument que ça reste derrière chez Épicure un minimum, vous voyez, je pense qu'il faut que je mette un arbre en fait en haut. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait. J'ai tout pété, j'avais refait des trucs que j'ai redémoli. En vrai, placer ce pont là déjà, ça m'a pris une éternité. Hein. Je n'arrivais pas à le placer comme je voulais, ça ne fonctionnait pas. Donc là pareil, je pense que je vais mettre peut-être une autre grille de prison ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on peut pas mettre d'arbres collés non plus à la place, c'est juste trop chiant. Je comprends pas pourquoi on peut pas faire ça. Genre là je peux pas mettre un arbre. Ah bah si. Ah bah voilà. Ah, il faut un cèdre pour le coup. Bah attendez, quand j'ai essayé de le faire l'autre fois. Ah non, je le mettais là. Ah mais ça changeait tout. La révolution. Pour le camping, il aurait dû faire une tente qui attend tout le temps. Mais oui, FK, ça marche noyé. On va prendre des fruits. Ah j'en avais. Je ne savais pas. Et coucou Soupa, je passe rapidement sur un bon live et vous prévenir que j'ai trop envie d'apprendre à jouer du violon. C'est vrai Soupa. Des bisous Soupa, merci d'être passé et bon courage pour tes cours de violon. Je ne sais pas. Mais en tout cas des gros bisous à toi. Merci d'être passé faire coucou. Attends Jean-Michel, t'as pris qu'un fruit mais là faut que t'enlèves l'autre arbre. Il y a des pommes. Pas de panique.
Coucou, c'est la première fois que je suis là pour un de tes lives. Coucou Miss Marvel. Comment vas-tu? Qu'est-ce que j'ai enlevé? Bienvenue à toi en tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu passeras un bon moment avec nous. Là on fait de la déco, j'ai cassé plein de trucs donc on va refaire pas mal de trucs. On va voir si j'arrive à faire ce que je veux. Donc je ne savais pas qu'on pouvait placer un arbre, ça marchait pas, quand j'ai essayé ça marchait pas, donc je devais mal le mettre. Ça va très bien, merci. Donc voilà, maintenant on accède à la place par ici. Je ne sais pas si je vais garder ce pont ou si je vais en fait le supprimer et faire des trucs sur lesquels on saute. Parce qu'en fait ces ponts là me sortent un peu par les yeux. Voilà. Et je sais pas trop ce qu'on va faire ici non plus. Donc pour l'instant on va voir. On va déjà décorer en masse par là, là. Pareil au-dessus, on va essayer de mettre un arbre. En vrai j'ai des gros doutes hein, sur ça. On va tester. Oh là, plein de discussions entre Léa et Abraham. Ah, première vague de love de la part de Titi. Titi. Est-ce que je peux mettre un arbre ici? Il va me dire non à cause de ça. Attendez, mettons-nous en mode construction. J'ai déjà plus de place dans mon... Attendez, il faut que je fasse un tour à la maison. J'ai été faire du shopping chez Noib. C'est pour ça que j'ai plus rien dans mon... J'ai plus de place dans mon inventaire. Attendez. D'abord, on va... Voilà, fait le petit saut. Retournons à la maison. Donc oui, il n'y a plus de rampe, il n'y a plus rien. Ça m'a pris du temps de faire ça en vrai, hein, parce que... Merci Titi. J'ai ceux-là aussi. Merci Titi pour tes cheers. Du love pour Titi. Merci beaucoup Titi. ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ce... Ah bah oui, bah, je sais plus ça, je l'avais fait en live ou pas. J'ai fait ce petit coin aussi. Bah après, chez Léa, ça a pas changé. Hein. On est sur la même chose. Non, j'ai rien refait par là. Merci Titi, c'est adorable. Au secours, je me perds. Là, c'est pareil, on va refaire tout un truc derrière. Pas pour l'instant, mais on va voir. J'ai essayé de trouver de l'inspiration sur Pinterest et je vous avoue qu'en fait, à part juste me mettre en mode faut que je rase tout, ça n'a pas marché. J'ai pas été inspirée. J'ai plutôt été désinspirée plutôt. Et bonsoir Lumi, comment ça va? Du coup, faut que je mette tout ça hop dans les poches de la maison. Non, ça tu gardes. Ça tu ranges. Ah la ma cheville. Non c'est bon, on peut y aller. Boarf. Comment ça boarf? Qu'est-ce qui se passe Lumi? Dis-moi tout. Varane demande si tu es expirée du coup, vu que t'es pas inspirée. Bah je pense qu'on peut dire ça Varane. On peut dire que je suis expirée. J'aime trop l'expression. Je la garde. C'est validé. Changement approuvé. Pour ceux qui auront la ref. Je suis pas en pleine déco. Moi, mon île... J'ai mis mon île à plat, donc je suis en train de refaire les zones grâce à une carte que j'ai faite sur Happy Island Designer. Ah, Miss Marvel, j'avais fait ça aussi. Pour ma première île, j'avais fait ça. Bonsoir, vous. Bonsoir, dame et fille. Rebonsoir. Mon corps et ma tête me disent stop, mais je dois bosser, donc bah voilà. Ah, courage, Lumi. Du love pour Lumi, s'il vous plaît, le chat. On envoie des encouragements à dame Lumi. Allez, on déclenche. Les travaux, c'est parti. C'est maintenant que tout se joue. Oh, vous êtes adorables, le chat. Vous êtes des amours. Ok, du coup, ouais, faut juste que je fasse le tour parce que j'ai pas accès. Ça va être casse-couille, ça, je le sens. Vous êtes adorables. Et repacouze. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tu sautes au-dessus de quoi? Au-dessus de rien. Repacouze. Alors attendez. Descends. Je pense qu'il va falloir que je casse un morceau là parce que il va me dire non, on peut pas planter un arbre. Donc on va mettre les chances de notre côté. On va déjà prévoir le truc. Je sais pas si c'est pas trop près. Testons. Voilà, je le savais. Ça, je l'avais deviné. C'est insupportable. Hein. Ah, parce qu'ils considèrent que la maison... Ah ouais, donc ils considèrent que là, c'est collé. Ça m'insupporte. Bah, on va le mettre au-dessus. Hein. Attends, on prend une échelle. Ah non, attends.
pousse, lâche tout. Voilà. Tant d'amour. Mais oui, toujours pour les gens du chat. Et bonjour ici, on n'est pas prêt pour quoi ? J'ai tout cassé, Aka. J'ai tout pété. J'ai tout pété l'île. donc on est en train de... Tu vois, j'ai changé pas mal de trucs. Oh, je vais te boomer si tu fais pas ce que je veux. Et en plus, quand j'ai fait ça à 2h du mat, j'étais tellement fatiguée que j'arrêtais pas de casser ce que j'étais en train de faire. Et en vrai, j'étais dans le lit, sur la Switch, en mode zombie, en mode... Tu vas arrêter de démolir ce que t'es en train de construire. Et à chaque fois, je m'énervais, je m'agaçais. Oh, c'est pas bien de tout casser. Non, mais en vrai, attends, on va faire un truc de malade. tiens, tiens, non mais oh, qu'est-ce que t'es en train de faire ? Cucu tué. du coup, normalement, mon arbre, il passe au-dessus. Hein. Donc, pareil, là, je voudrais mettre des grilles. Prison, bordel. Là, un arbre. Un pommier. Boum. Ok, là, un truc qui fait du bruit. Voilà, on est sur du bruit. Oh, arrête de mettre cette caméra en l'air comme ça, ça m'insupporte aussi ça. Ça me gonflait peut-être autant de bruit. Camping c'est calme, hein. Peut-être pas mettre autant de bruit. Je suis en mode zombie devant ton live, ça marche Mimi. du coup là on va voir pour mettre, je pense des... Attends mais ils ont pas fini leur discussion Abraham et Léa. Je vais aller voir ce qui se passe parce que ça m'intéresse. Ça m'intrigue. Je tenterai d'essayer un nouveau jeu de rapidité avec Abraham, chouchou. Avec Abraham. Je sais pas si t'as pris le bon cobaye. Hein. Tu veux bien que je commence ? Alors, un mot qui rime avec marmite. Bru. Oh, je l'ai. Tinta marmite. Je pense pas que tinta marmite soit vraiment un mot, Abraham. Et bonsoir, Frenchy. Comment ça va ? C'est juste deux mots collés l'un à l'autre, mais je te donne un bonus de créativité. Oh, les six choux. Ah, c'est la créativité, ça me connaît. Hein. Si tu sais seulement... Sais-tu seulement que tu as devant toi l'inventeur des lasagnes au lait concentré ? Mais quelle est cette chose ? Mon dieu. Ils sont si choux, vous avez vu ? Ah, ils sont si mignons. Bon, écoutez. Donc là... Qu'est-ce qu'on fait ? On va retirer tout ça. On va refaire un truc mieux. Oh, c'est pas grave, panique pas. Là, on va mettre un petit buissal. Comment ça, y a pas d'endroit où planter un buisson? Are you kidding me? Voilà, non mais. Qui c'est qui commande? Du coup, oui, je sais que mon motif perso n'est pas bon à gauche là. Pas de panique. J'ai Abraham aussi sur mon île. C'est vrai, Miss Marvel? Et alors, t'en penses quoi? Parce que là, il y a Luffy qui essaye de faire partir Abraham, du coup. Non, attends, remets-le. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il faut... motif perso, on va fermer ici, en fait. Boum. C'était presque réussi. on a des parents, en ce moment, à se taper la tête contre les murs. C'est vrai, Lumi ? C'est la saison, je pense. Quoi ? Vous avez fait faire des colliers de pâtes à nos enfants ? Ça va pas la tête. Et le cachou, et ça fait trop plaisir de venir sur ton live. Coucou, Ragdub ! J'espère que tu vas bien. Et bonsoir, Alana ! Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une bonne journée, quand même. Oh là là ! Ma table de craft, tu l'as mise. Derrière. Lisgou. Tabouret bois, tabouret pierre, saut en bois. Le saut en bois, il est beau, mais c'est un enfer à placer parce que il prend vachement de place. Non, c'est comme ça tout le temps, mais ça empire d'année en année. Ah, ça va très bien, merci Ragdib. Très bonne journée, merci et toi. Bah écoute, ça va, Alana. Je me dis qu'on a fait la moitié de la semaine, ça y est, c'est acté. Il reste plus que deux jours avant le week-end. J'ai eu peur, j'ai eu si peur. Bon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Super, une grenouille. Non, là, franchement, si c'était pour m'offrir ça, vous fallait le garder. Hein. Donc, et cette année, ils sont gratinés. c'est le choix du chef.
Demain, c'est mon anniversaire, je suis trop content enfin. Ah, Maractive, tu sais que c'est pareil tous les ans. Hein. Tu sais que l'année prochaine, à la même date, tu auras ton anniversaire. C'est tous les ans. C'est le principe d'un anniversaire, Ragdub. C'est trop mignon. Je suis trop content, enfin. Ben, joyeux anniversaire en avance, Ragdub. 2 jours avant le week-end et 2 semaines avant Noël. C'est vrai, j'y campi. 2 semaines avant les vacances. On y croit. En habitant, j'ai Abraham. Et courage aux étudiants. Hein. Courage, courage. Courage à vous. Abraham, Bibi, Raymond, Reina, Molly, Irène, Pécan, Mathéo, Bréco et Monica. Ah, pas mal, Miss Marvel, pas mal, pas mal. Le menu entrée, plat, dessert, un restaurant 150 étoiles. Mon dieu. Quel enfer! Est-ce que j'ai mis les grilles de prison? Oh non. Oh non. Oh, va falloir que je cours en chercher. Je sais que je les ai rangées. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant? Qu'est-ce que j'ai sur la plage? Allons voir d'abord. Une semaine et demie avant les vacances. Courage, courage, courage. J'ai fait éclater 300 ballons, j'ai pas le plan du lance-pierre. Alors Luffy, il faut surveiller le ciel. Moi, j'ai eu peur aussi, mais il arrive. Il arrive à un moment donné. Ah, mais je les ai, mes clôtures. Ok, je pensais qu'elles étaient à la maison. Tout va bien. Corde à linge. Ah! Panier de fruits, lit de paille, on veut. Coussin chrysanthème, épouvantail, bambuche, non, tabouret de pierre, non. Tabouret tronc. Oui. Attendez, je réfléchis. Panier de fruits, grand sapin, fruit des bois. Prends ça, go, on va voir ce qu'on fait. À part pour dire, Effi, c'est tous les jours son anniversaire. Alors, joyeux non anniversaire, Effi. Oui, c'est vrai. Après les vacances de Noël, j'ai le brevet blanc. Courage, Ragdub. Courage à tous ceux qui ont des examens, des partiels. Courage à vous, courage à vous. Je raconterai 2-3 anecdotes un jour, si tu veux. Comme par exemple, les parents qui demandent pourquoi on avait fermé les week-ends. C'est vrai, Lumi, ils vous demandent vraiment ça. Il y a des gens, ils doutent de rien, en vrai. Il arrive, oui, moi, mais j'ai pas le temps. Ah mince, Luffy, il repasse, t'inquiète. C'est un ballon spécial qui fait le tour des îles à chaque fois. Alors attendez. En vrai, au-dessus là. Attends, range ton lance-pierre. Badaboum boum, tu vas faire des conneries. Hop. Ah, par contre, ça va être chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire et on va reconstruire. On va faire ça. Parce que sinon, je vais pas y arriver, ça va me soubeille. Est-ce que si je mets. Puis non, faut avoir tout retrouvé. Ça comme ça. Allô? Ah d'accord. Très bien. Après tout, vu qu'ils ont pas. Vu qu'ils travaillent pas, ils ont vraiment besoin d'un service 7 jours sur 7. Je vois Lumi, je vois. Ça se sent que je suis énervée ou pas? Pauvre Lumi! On envoie du courage à Lumi. Ah, est-ce que je peux... Non, je crois pas. On peut pas creuser une fontaine sur un. Oh non. Trop facile. Un grand sapin, fruit des bois. Tac. Attends. En fait, je me dis, comme ça va être au-dessus et qu'on va très rarement le voir... Ça peut marcher, l'espèce de grand sapin. Avec ça, parce que c'est plutôt de la même teinte. J'étais en train de penser à tout. Je vais me... Attends, quoi? J'étais en train de penser tout, je vais me taire. Ça commence à se voir, là. Ah bah mince, Lumi. Courage, courage. Courage, Lumi, courage. Je te commande tellement mention spé au gars qui m'a demandé si le modèle qu'il était en train d'acheter sur le site de boulanger correspondait bien à ce qu'il voulait comme caractéristique. Oh! Sinon, je bosse à la FNAC. Oh my god. Courage, courage, en vrai courage, il n'y a pas d'autre mot. Des fois on a juste envie de dire mais vous êtes con, vous le faites exprès là. Excusez-moi, vous êtes stupide ou juste ce matin vous vous êtes réveillé comme ça. Des fois j'ai envie de dire ça aux gens. Juste pour se lâcher, oui. 15 fois par jour à mes collègues, oh là là. Mon dieu! Attends d'abord. Ah, maintenant je peux pas. Quel enfer. Du coup, laisse ça comme ça. Ouh! Ça va me gonfler.
Les parents qui comprennent pas pourquoi leurs enfants les frappent, et bah nous, un mot-clé, cadre. Ah bah oui, non. Moi, je ne dis jamais non à mon enfant. Je le laisse faire ce qu'il veut. Ouais, bah t'étonnes pas si le mot il te frappe, hein. Oh bah tiens, c'est bien comme ça. Alors du coup, ici, des fleurs blanches. Tac, on va mettre des motifs. Vas-y que je t'en tartine. Oh, tout à fait. Oh, le machin sous terre, là. Si je retrouve sa famille, je les extermine tous. C'est affreux, en vrai, ça fait beaucoup trop de bruit. Merci Lapinou pour ton follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien, le chat. Ah, c'est bon. Moi, j'ai froid. Voilà, il fait froid en ce moment. Et rip la famille de Taubegrillon. De ouf. Tartine de motif. Cool. Voilà, ça va tartiner. Hein. On y va. Je vois rien. Alors, quand il faut mettre la caméra en l'air et que je veux pas, là, il y a du monde. Mais alors, quand il faut pas... Alors quand il faut... Merde, je sais plus. On peut tromper mille fois. Au secours. Il me l'a pas mis, il fallait. Si. Coucou Lapinou, j'espère que tu vas bien. La Wii, dit-elle, au PC, ça va mieux. Ah. Ah, là, je vois. T'en es où dans tes cadeaux de Noël, cachou? J'ai quasiment fini. Après quelques heures d'emballage, j'ai beaucoup d'euros. Alors... oh, au secours. J'ai pas fini. J'ai bien avancé. J'y vais samedi pour terminer. J'ai une idée. Sauf que je sais pas si mes parents sont là ou pas. Du coup, j'ose pas le dire. Mais en gros, au pire, ils vont pas entendre. En fait, j'ai une idée. Je vais essayer de trouver des chaussettes ou des choses. Des chaussettes de Noël. Je sais pas s'il y a ça. Je vais aller voir peut-être... je sais pas où je pourrais trouver ça. Peut-être en magasin. Alors, je sais pas où. Et en fait, les remplir de petits cadeaux et les offrir à mes parents et à mon frère. Les gens qui réfléchissent pas deux secondes. Bonjour, je cherche à offrir un livre à X, mais j'aime pas lire, donc je ne sais pas quoi les prendre. Pourriez me conseiller? Oui, monsieur, mais vous êtes là, Orion TV. Ah, vous faites plus les livres? je voudrais acheter une machine à laver. Monsieur, c'est une boutique de livres. Vous faites plus les machines à laver? C'est n'importe quoi. Peut-être les magasins genre Jiffy. Peut-être. Peut-être, Effy. Peut-être. Je vais regarder. Moi, je suis lâchée pour Varane. Ça rentre pas dans une chaussette. Non, mais en fait, j'ai déjà des cadeaux pour mes parents. J'ai déjà fait des gros cadeaux. Mais là, c'est faire des petits cadeaux, en fait. Dans une chaussette. Genre, vous voyez, je sais pas s'ils sont là ou pas, ça me stresse. Au pire, c'est pas grave. C'est genre des chocolats, des petits trucs. Des petits trucs un peu rigolos, vous voyez. Un sweet-feuille aux parents. Non, pas de sweet-feuille aux parents. J'ai abusé. C'est vrai, Lumi, t'as trop abusé. Moi, j'ai fait des bons plans à Carrefour pour Nintendo Lite. C'est beaucoup moins cher et assez aussi. C'est vrai, Ragdub. C'est ultra mignon. Ce que t'as fait pour Varane. Il va être gâté. Hein. Gâté, Varane. Gâté. Et là, apparition furtive des parents de Cachou. C'est possible. Non, ce que tu veux faire, toi. Ah, d'accord, merci, Lumi. Notre jeu qu'on a vraiment eu un gars qui nous a fait le coup, c'est terrible. Non, mais en vrai, moi, les gens comme ça, je leur dis, mais vous voyez la porte là-bas? Bah, allez-y. allez voir là-bas si j'y suis. C'est horrible. En vrai, moi, j'aurais pas de patience avec les gens comme ça. J'aurais zéro patience. Tabouret tronc. Ah non, je voulais faire, attendez. Donc là, on a mis un peu de pattern. Donc, ça, c'est good. On va redescendre et on va faire. Je prends la table de craft qui est là. Je vais aller sur la plage avec. Non, je vais d'abord aller chercher mon fer. Mon ferraille. Oh. Une folle dingue, lui. Folle dingue. J'ai bien avancé, il me manque juste pour mon père. Je veux trouver une boutique de producteurs pour lui offrir du bon fromage et de la charcuterie. C'est un bon mangeur. Je sais pas trouver ça sur Lyon. Oh, c'est trop bien comme idée, ça, Aka. C'est trop bien. J'aurais refait mon deal, mais je ne trouve pas l'île parfaite. C'est horrible. Tu ne trouves pas l'île parfaite, Lapinou? C'est-à-dire? Explique-moi. Qu'est-ce que t'entends par l'île parfaite? Est-ce que c'est le thème que tu trouves pas? Est-ce qu'il n'y a rien qui te...
Ah oui, j'ai eu ça, chauffage. Oh, j'ai eu un prisme, vous avez vu. Chauffage cylindrique. Ça, je ne sais pas si j'ai envie de les utiliser. Je sais pas, je sais pas. Et moi aussi, je veux ça. Après, j'ai que lui, donc bon, je me lâche. Bah, je comprends Lumi. Ok, je vous dis. Ok, Google. Ok, Google, allume la lumière. Je t'envoie mon adresse si tu veux offrir du fromage. On va tous t'envoyer notre adresse à cas, je pense. Ma mère, j'ai deux, trois idées. Bah, c'est bien, ma mère, on trouve jamais d'idées. Bah, là, si. Le problème, c'est que bon. En fait, ma mère, elle est très. Elle est très cadeau. Comment vous expliquer? Elle est très cadeau sentimental, si je peux dire. Et du coup, genre, si on lui fait un collier de pâtes avec mon frère, elle va être genre ultra heureuse. Et du coup. Pour lui trouver des cadeaux ou lui faire des petits cadeaux, c'est toujours affreux parce que bon, les colliers de pâtes, ça va 5 minutes, hein. Mais voilà, elle est très. Si on pouvait lui faire de la pâte à sel pour Noël, elle serait ravie, vous voyez. Donc, avec mon frère, faut toujours qu'on, avec mon père, il faut toujours qu'on cherche des trucs. La dernière, on lui a offert ses 50 ans à Londres. On est parti avant le confinement. Et là, moi j'ai trouvé avec mon frère ce qu'on allait lui offrir. C'est toujours un enfer, vous voyez. Toujours un enfer avec maman. Parce que elle veut rien. Elle veut des trucs un peu souvenirs, vous voyez. Que quand elle voit quelque chose, ça nous rappelle, ça lui rappelle nous. C'est mignon en soi, mais c'est chiant à trouver. Moi je suis pas très. Je suis pas très. J'ai des idées, mais c'est compliqué à chaque fois de mettre en place, quoi. Je fais des albums photos en général. Le souci, c'est pas de trouver quoi lui offrir, c'est de trouver où je peux acheter du bon fromage. Mais Aka, vous avez pas des marchés de producteurs? Ah zut, bah faire avec lui quelque chose. Bah, c'est pour ça que l'idée que je vous ai donnée tout à l'heure, je sais quoi lui mettre dedans. Pour ça, c'est toujours des petits trucs, quoi. Elle a pris une photo de toi et ton frère, ouais. Non, mais elle en a mille. Elle en a mille. Moi, je suis une toquée des Polaroids. Je fais une collection de Polaroids. Genre les vieux, les nouveaux. Et là, elle en a mille. Elle en a mille des photos. Mille. Parce que je suis pas sûre que mon père apprécie l'emballage Carrefour pour du fromage. Il va me dire on peut aller acheter le. Il va me dire qu'il peut aller. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, Aka. Est-ce que vous pourriez le mettre dans du papier cadeau, s'il vous plaît? Parce que vos emballages Leclerc. Tu veux du bon chèvre et du Poitou? Ah bah. Aka vient chez nous en Suisse. Ah, vous êtes si mignon. Ma table de craft, bordel, bordel à cul. Oh, je vais la foutre là. Allez hop. Alors attendez, parce que j'ai pris masse de trucs, mais je veux faire des. Une pirouette. Pancarte, panneau. Non, mais je l'ai mis. Non. Je prendrai du choco au passage. Ah oui, du chocolat. Du goulard. Il y a des box au fromage faites par un grand chef. Offrez-lui un abonnement. Hello Karine, comment ça va? J'ai pas compris, Noé. Moi, je fais pas de fromage. Hein. Ah, tu parles de Cachou? Bah, elle a déjà un abonnement. Enfin, Cachou la pipou. Au secours. Non, mais taisez-vous, les taupes grillons. C'est un enfer. En ce moment, j'apprends à fabriquer des attrape-rêves. Il y a plein de choses que j'aimerais faire moi-même, mais j'ai pas assez de place. J'aime beaucoup faire des trucs faits maison. Bah, moi, j'adore faire ça aussi, Lumi. Je te dis, je fais des albums photos, mais avec des Polaroids. Je fais des choses comme ça. Et le truc, parce que j'ai en fait j'ai aussi une imprimante à Polaroid. En fait, vous mettez, je sais pas si vous voyez les Polaroid Mini, les Insta X Mini là. En fait, vous avez, ils ont sorti Fujifilm, ils ont sorti une petite imprimante. Vous mettez les cartouches de Polaroid et vous pouvez envoyer la photo avec votre téléphone et ça vous imprime. D'ailleurs, c'était mon cadeau de Noël l'année dernière. Ça vous imprime en fait les Polaroid des photos de votre portable par exemple. Et du coup, ça, j'en ai fait des trucs pour ma maman. Mais elle en a, je vous jure, quand vous allez dans son bureau, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Donc bon. Non, des box que tu reçois tous les mois avec des surprises dedans. Ah, bien sûr que j'ai un abonnement, voyons. M'enfin. Pour mon père, c'est pas dur. Chocolat chaque année, il est trop difficile. Alors comme ça, on se trompe pas. Ah bah, ça au moins, c'est une valeur sûre. Chocolat, c'est une valeur sûre. Ça doit rendre super bien, c'est génial ce truc. C'est trop bien. Bah attendez, bougez pas.
Sur ce, ma question, je passe dans l'ombre un petit moment. Ça marche, Frenchy, des bisous. Je t'envoie du love. Ça doit rendre super bien. Alors, attendez, regardez. Vous parlez des cadeaux de Noël. Oui, Karine, on parle des cadeaux de Noël. Bisous sur ta truffe, Frenchy. J'ai envie de dire à ton perso, il y en a qui sont morts comme ça. Quoi ? Au son des tam tam. Alors, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, ça s'appelle. C'est une Insta X de chez Fujifilm. Moi, je l'ai pris rose parce que mon Pola est aussi rose. Et en fait, dedans, vous mettez donc les recharges. Et ça vous imprime, en fait, les photos de votre portable. Et vous voyez, regardez. Donc, ça, c'était une vieille photo qui avait été faite. Donc, c'est une photo d'une photo. C'est une photo argentique que j'ai récupérée. Et j'en ai fait un Polaroid. Vous voyez, c'est moi et mon papa quand j'étais petite. Attendez, je vous montre en plus grand. Voilà, ça fait des photos Pola comme ça. Voilà. Et derrière, donc là, c'est ma maman et moi. Vous voyez, et tout ça, elle les a en fait. Elle en a plein. Et je lui imprime ça. Ça, c'est le petit toutou de mon frère et moi. C'est, voilà. Ça, c'est mon petit frère avec sa copine. Vous voyez, j'ai des photos. Et ça, c'est mon papa et moi. J'en ai plein des photos. J'en ai plein. Et ça? Ça, elle en a. Alors, j'en ai des comme ça. J'en ai des grandes avec un autre Pola, mais un vrai, du coup, des photos. Parce que ça, c'est la petite imprimante qui les sort. Faite avec un vrai Pola. Et ma maman, elle en a plein. Elle en a plein. Plein. Voilà. Et ça, c'est trop bien. Ça, elle adore ça. Elle adore ça. Donc, je lui fais des trucs comme ça. En fait, des listes, on se donne en septembre pour Noël. Bah, ça, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pour mes parents aussi, parce qu'on n'était pas censé fêter Noël, et finalement, on le fait. Et du coup, je leur ai dit, vous me donnez trois choses que vous voulez, et on part là-dessus, quoi. Donc, ils m'ont donné. Et du coup, c'est assez drôle, parce qu'au début, ils ont pris ça à la rigolade, et finalement, ils m'ont envoyé une vraie liste. Ils m'ont demandé des Ferrari, j'ai dit, ok, comme vous n'avez pas précisé la taille, je pense qu'une miniature, ça vous ira très bien. La taille, c'est la même que ceux de l'appareil. Oui. Oui, Effie. C'est en fait, attendez. Vous connaissez les. Attendez, bougez pas, j'arrive tout de suite. Alors attendez, le fauteuil qui continue de tourner, c'est méga flippant. Donc je vous montre, moi je vous dis, je suis une passionnée de Polaroid. Alors je ne sais pas ce que j'ai branlé par contre de mon petit Pola. Mon Pola rose, mon Pola, bah justement qui fait les... Donc vous voyez, vous avez, donc j'ai des Polas comme ça. Donc les Polas, les vrais Polas, qui fonctionnent et qui font en fait les carrés comme ça. Qui font les Polas, donc ce sont des vraies photos prises au Pola, qui font des photos comme ça. Vous voyez, par rapport aux petites. Donc ça, c'est des photos Polas, qu'ils ont faites avec les comme ça. Les Polaroid... de chez Polaroid, justement. donc voilà, ça c'est ceux-là. Et d'ailleurs, petit truc, parce qu'en fait... merci Ariane pour ton follow, bienvenue à toi. C'est une petite parenthèse, hein, mais bon, voilà, je vous partage une passion. je vais juste arrêter ça pour qu'on ait plus la musique. Les Polaroid, ceux-ci, ils ont en fait une cassette. Quand vous mettez la recharge des Polaroid, ils ont en fait une cassette qui alimente le Polaroid. Je les achète en général dans les trucs genre, vous savez, les trucs qui revendent là, je sais plus comment ça s'appelle, mince, comment ça s'appelle, Apicash ou les choses comme ça. Et en général, je fais mes affaires là-bas parce que les gens, en fait, parce qu'ils les trouvent jolis, ils les laissent ouverts. Sauf que comme ça, déjà, vous cramez en fait la batterie et vous cramez le Polaroid qui est dedans. Genre la fiche Polaroid, vous la cramez. Parce qu'un Polaroid, en fait, ça se fait comment? C'est du papier argentique.
qui en fait à la lumière, donc quand c'est ouvert, quand l'obturateur est ouvert, qui va en fait imprimer la photo sur le papier. Donc si vous les laissez ouverts, vous cramez en fait. Du coup, les gens disent il marche pas parce qu'ils les laissent en fait ouverts. Ah oui, non, il est assez dur à fermer. Les laisse ouverts. Et donc celui-là, par exemple, je l'ai acheté 17 euros. Et il fonctionne. Il y a juste en fait à changer le bac. mais moi aussi, je l'ai, le rose Effie. Le rose, en fait, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis, il doit être là-haut avec mes autres pots là. C'est le même, en fait, il fait les mêmes photos que celui-ci. J'arrive, je vous lis vos petits messages. Attendez, le fauteuil continue de tourner. Personne va s'envoyer des cadeaux et les colis, les ouvrir en visio le 24. C'est trop bien ça. Juste de passage pour dire un petit coup, je regarderai la rediff demain car je dois. Je vois que j'ai loupé 43 minutes. Bon live à tous. Des bisous, Camille. Des bisous. On a pensé. Police tourne autour du cachou. De façon très suspecte. Beaucoup de cachou. Moi j'ai un Instax Mini 8. Il y a 2 ans et Noël. Et pas mal de mon cerveau. Les photos sortent toujours sombres. Alors sur celui-là, mais je l'ai pas avec moi. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être là-haut. Il faut en fait, Océane, régler la. Comment ça s'appelle? Tu peux choisir la luminosité que tu vas laisser passer à travers. Donc si t'es dans une pièce à l'intérieur, mets-toi bien en intérieur parce que sinon en fait tes polaroids vont être blancs, cramés si tu te mets en extérieur, et inversement si t'es à l'extérieur et que tu fais une photo avec le mode intérieur, tes photos vont être sombres. Et ensuite j'ai en fait un autre format de polaroid, je vous montre et après promis on joue. Moi c'est une passion les polaroids, je vous ai dit hein. Ah non il est pas là. Et en fait j'ai celui-ci, donc ça c'est mon dernier joujou. Donc c'est un Instax Wide 300, donc il est énorme. Et en fait, il fait des photos pola en large comme ça. Voilà, il fait des photos larges, comme ça. Vous voyez la différence en fait entre les deux. Voilà. Et moi j'adore, je suis fan. Ça c'est ma passion. En général, mes proches m'en offrent en fait à Noël. Ils m'offrent des modèles. C'est captivant. C'est vrai, ça vous captive. Le rose populaire, j'ai pas le nom exact. C'est un Insta Mini X8, je crois. Ce sont ça en fait, les pellicules que vous mettez en fait. Ça, c'est les pellicules que vous mettez. Hein, c'est les recharges que vous mettez dans l'imprimante. À l'arrière, vous avez une caissette. Comme quand vous chargez en fait le Polaroid. Et ça imprime. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Par contre, je ne sais pas où j'ai branlé mon pot là. Il doit être là-haut, il est rangé. J'ai kiffé les Polaroids, c'est sorti le design Stranger Things. Ah, j'ai pas vu Aka, trop cool le dernier appareil. Ouais, celui-ci c'est mon dernier joujou. Il est. Enfin, j'ai fait des photos à Londres avec. C'est une passion. Il est énorme. Trop cool l'imprimante. Je trouve ça trop cool l'imprimante. Et franchement, elle est pas si chère que ça. Hein. Bon, après, ça reste un coût. Hein. Vous êtes sur du papier. Hein. Faut pas vous dire, oh, ils vendent ça quand même presque 20 balles la recharge. Ouais, mais bon, c'est sur du papier argentique. Hein. On n'est pas sur de l'impression sur du papier photo. Merde, je l'ai allumé. Vous savez. Attendez. Que je le range comme il faut. Voilà. Hop. Et voilà. Par contre, je m'endors encore. Bisous. Des bisous, Lumi. Des bisous à toi. Je file des bisous, Fen. Des bisous, tout le monde. Désolée hein, de vous avoir embêté avec mon blabla. Des bisous. Bien sûr, j'ai même des snaps. Et je le trouve vraiment bien. On peut même choisir la couleur des photos. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Je kiffe les Polaroid. Trop cool, le dernier appareil. Ah, c'est bon, j'avais bien vu vos petits messages. Donc voilà. Voilà les Polaroid que j'ai. Et si vous voulez. C'est pour moi, si vous avez des dans votre famille, votre sœur, votre maman, une amie ou une cousine ou je ne sais qui aime les Polaroid, enfin ça c'est le cadeau. C'est un coût, mais ça reste moins cher qu'un appareil photo. Ça peut faire un petit truc quoi, vous voyez. Coucou Nectali, comment ça va? J'ai partagé Stranger Things sur son Discord, ça marche. Des bisous Lumi, des bisous. Du coup voilà, par contre, il va falloir que je cherche parce que du coup ça m'inquiète, c'est pas ce que j'ai fait de mon autre Polaroid. Donc on va mettre, j'avais dit des grilles. Je voulais les mettre où? Derrière, non, il me semble. Peut-être une grille du coup. Tac, redescend. Nickel, c'est ce que je voulais faire. Oh, c'est bon. Ça va très bien, merci Noctali. Remonte. J'ai quoi là dans mes poches? Ok, vas-y, remonte. Non, attends. Et on redescend. Et coucou Michaela, comment ça va? Moi ça va très bien. Ça va très bien. Mais vous avez des bonnes idées hein, pour les cadeaux de vos parents, franchement. Moi j'ai offert, mon frère le sait en plus, j'ai offert un chargeur de PC parce qu'il a pété le sien. Mais du coup c'est pour ça, les idées de chaussettes, je trouvais ça sympa. Et ça fait des petits cadeaux, c'est pas trop cher.
Voilà, donc je vais voir pour faire ça. Même le design, la base des coudes, tu peux le trouver sur le web, c'est le One Step 2. Attends, mais je vais voir sur Discord parce que ça m'intrigue ton truc. T'as mis ça dans quoi? Bric-à-brac. Oh, waouh! Il est chouette. Il est chouette. J'en ai un One Step 2. J'en ai un aussi. Ah non, non, j'en ai pas. J'ai failli en avoir un blanc. Ça coûte, il coûte très cher par contre. Enfin, celui que je voulais coûtait très cher. C'était un One Step. Ouais, enfin c'est des designs là en fait. Le One Step il est particulier parce qu'il se déplie pas. Il est en un truc. Pardon, excusez-moi. C'est quoi le nom de ton dernier Polaroid? Le grand, c'est le Instax Wide 300. InstaX Wide 300. Le blanc tellement magnifique. Oui, mais oui, avec les couleurs. C'est avec le, il avait ces couleurs là en fait. Bah, le truc Polaroid quoi. Je trouvais trop beau. J'ai presque fini tous mes achats, je suis contente, c'est la première année où je fais tout à la dernière minute, c'est vrai. Moi, là, j'ai pas tout fait à la dernière minute, sincèrement. L'année dernière, j'ai pas fêté Noël, parce que je travaillais. Et là, du coup, là, j'ai dit à mes parents, allez, on fête Noël. Allez, on fête Noël. L'année d'avant, j'étais pas là. L'année encore d'avant, on l'avait fêté. Et l'année encore d'avant, j'étais pas là. Donc là, j'ai dit, allez, on le fête. Coucou Enolou, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Moi, mes parents, mes frères, j'ai fait imprimer chacun qu'un drake, mes illustrations, j'espère que ça leur plaira. Oh, c'est trop bien ça, Lucille, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Luffy. Je vais bien, je me mets à recommencer. Attends, quoi? À recommencer. Je ne sais pas quoi faire sur mon île et je tourne un peu en rond. C'est vrai? Mais t'as fait quoi? T'as reset ou t'as rasé, Michaela? Tu travailles à Noël? Alors, pas cette année, pas cause. J'ai posé mes jours. La dernière, en fait, je l'ai pas fait parce que je venais d'arriver dans la boîte. Donc, ça ne se faisait pas. Et donc, je bossais. La dernière, je bossais. Ouais, c'est trop bien comme idée, Lucille. Franchement. Est-ce que vous avez, dans le chat, est-ce que vous avez, comme Lucille, un truc un peu unique ou vraiment personnalisé, un cadeau personnalisé, genre que vous avez fait pour un de vos proches? C'est franchement une très bonne idée. J'ai envie de mettre une lampe. Je l'ai pas personnalisée, je suis trop nulle, je vais monter la table de craft là aussi, ça continue. En fait, je suis déconcentrée. Quentin traite, ouais. Personnalisons. Oh là là, mais ce truc là. Je vais tout cramer. Hein. Tout. Pollux. J'avais de base rasée et j'ai essayé de refaire, mais je pense que j'aurais dû garder une certaine base. Ah. Faut avoir un certain talent artistique pour ça. Mais après, vous pouvez faire quelque chose. Genre, est-ce que vous avez pas fait imprimer, pas forcément avec... Genre, par exemple, je sais que mon papa, il est musicien. Il l'a pas fait, mais il peut avoir fait une musique. Vous voyez, il fait une chanson, un truc comme ça. Rondin, champi, on va le mettre en blanc. Pour ma mère, je savais pas quoi offrir, du coup j'ai commandé une toile de nous deux. C'est trop bien ça, Océane. Vous voyez, ce genre de cadeau, un truc un peu spécial. Genre pas avoir pris un livre dans une librairie et en ayant demandé à Aka, excusez-moi, je voudrais une cafetière, ici c'est les télés, vous voyez. Moi j'ai fait un énorme cadre pour l'anniversaire de ma sœur avec une map astrale du genre de sa naissance. Je sais pas si c'est trop. Je sais pas trop si c'est clair. Si c'est clair et fait, c'est trop bien comme idée. C'est pas grand chose, j'avais pas un budget de ouf. Non mais c'est trop bien ça. C'est pas personnalisé mais original, mon frère a offert des petites parcelles de terrain en Écosse. Oh, vous voyez, c'est ce genre de choses, genre offrir une étoile. C'est pareil, on peut faire ça, offrir une étoile. Ou par exemple, pour soutenir des associations, par exemple, non, des sauvegardes animales, enfin, des parcs de sauvegarde des animaux, je crois, en Afrique, vous pouvez en fait faire une donation et vous avez vous possédez pas un animal, mais c'est votre animal. Vous pouvez offrir comme ça en participant et en donnant. C'est trop cool, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est ce genre de truc, quoi. Oh non, j'ai déjà été fait. J'en ai fait qu'une, peut-être. Puisque tout le monde sait... Puis tout le monde sait dessiner. Bah, tout le monde sait pas... Enfin, tout... Non, tout le monde sait dessiner. Par contre, tout le monde n'est pas à l'aise en dessin. Oh, attendez, je vais aller racheter des kits de personnalisation avant que ça ferme, parce que sinon, je vais me retrouver comme une andouille. Et ça va être pénible. Attendez, j'y vais.
J'ai pas fait exprès pour les mottes. Y'a pas de soucis, Lucie, non, pas obligé de t'excuser, t'inquiète pas. Tant que c'est pas. Tant que c'est pas gênant ou que c'est pas hors sujet, y'a pas de problème. Hein. Petit panier, du feu, pas de problème. Moi je veux une étoile. En vrai, c'est trop bien ce truc là, c'est trop bien. Je suis totalement trigger étant donné que vu que le rayon cafetière est à côté, j'ai littéralement. J'ai la question littéralement tous les jours. Non mais. Moi ça me bute à chaque fois. Non, on s'en fout de vous, pardon. J'ai offert un parrainage d'animal aussi à mon chéri pour son anniversaire. Ah bah voilà, c'est ça dont je parlais. Merci Karine. C'est trop bien. Non seulement tu participes à une action, et en plus, bah c'est un petit truc, vous voyez. Je repars à zéro les amis. Courage Michaela, courage. Mais c'est trop bien l'idée des parcelles en écorce. J'aime trop. Ce Noël, aucun cadeau, on devait même pas le fêter, mais au final on se réunit tout de même et ça me fait chaud au cœur. Rien que de lire, j'en ai les larmes aux yeux. Oh non, et Loulou. Franchement, courage à tous ceux qui. Je suis en train de faire des conneries, attendez. Courage à tous ceux qui ne fêtent peut-être pas Noël ou pour qui c'est difficile. Du love sur vous. Moi je devais pas le fêter, hein. Ça s'est décidé. Genre j'ai appelé ma mère, j'ai fait, on fête Noël. Mon père il a mis des guirlandes et tout, ils ont fait un sapin parce que ça fait 2 ans qu'ils font pas de sapin. Franchement, je suis contente. Moi je suis pas très Noël, on va être que tous les quatre, hein. On va être que mon frère, mes parents, mes chats et mon chien, mais faut que je trouve un cadeau pour mon chien. Ma mère elle a mis un bonnet de Père Noël à mon chien, l'autre fois elle m'a envoyé une photo, c'est trop drôle. Enfin non, elle m'a pas envoyé une photo, elle me l'a montré en vidéo. Tu as déjà un renne. D'ailleurs, je l'ai faite pour ma mère il y a 2 ans, une très bonne amie à moi qui nous a fait pour moi et toute une bande de potes un livre de dessins de souvenirs de nos années d'études. Oh, waouh, mais c'est trop bien ça. Ça marche, Karine. Tu en as effacé mes données, je pourrais les récupérer, on est d'accord. Ah, si t'as fait une sauvegarde, Michaela. Hein. Si tu l'as pas faite, non. Je sais que c'est pas votre rayon, mais comment te dire que la réponse est dans ta question. Oui, j'avoue. Je cherche les télés. Mais là, monsieur, vous êtes au rayon bande dessinée. Ah. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur l'auteur? Non, mais monsieur, on vend des tablettes. Mais vous êtes une entité. Oui, mais non, mais c'est pas mon rayon, en fait. Je crois que tu peux mettre sur ta carte d'identité en plus. C'est vrai, Karine, on peut faire ça. C'est trop bien. Ok, j'en ai 56. It's okay. Moi je sais pas encore, du coup j'évite d'y penser, on fait comme si on pourra le fêter. Vu le monde je vais croiser, je sais pas si je pourrai les fêter avec eux, je vais faire un test avant de partir, on verra bien. Mais oui, courage à Calice, en vrai, ça me touche énormément parce que je me dis qu'il y a des... Genre vous voyez, cette année je me sens un peu privilégiée aussi parce que ma maman elle est infirmière libérale et comme elle est en arrêt parce qu'elle a eu son accident, cette année on peut aussi le faire, si elle avait bossé on l'aurait pas fait. Bonsoir Deadpool, comment ça va? C'est compliqué cette année, c'est compliqué cette année. On va pas se le cacher, c'est compliqué. Hein. C'est trop bien, en vrai j'imagine trop, genre sur ta carte d'identité, nom, prénom, âge. Je suis marraine. Marraine d'un rhinocéros, vous avez vu. Ouais, j'ai un tigre, ouais. Très bientôt, ça va très bien Deadpool, on est en train de parler des cadeaux de Nawel. Dur et après je me dis que dans ma famille on est en bonne santé. C'est très bien. C'est très bien de rien que de dire ça. C'est parfait. Un mal pour un bien, moi vous serez unis, c'est le plus important. C'est ça. Après c'est pareil. Hein. Moi j'ai pensé aussi. Je me suis dit, est-ce que c'est indispensable avec ce qui se passe de se réunir? Et moralement, oui en fait. Je sais qu'on est tous en bonne santé, c'est très bien. Mais j'ai pas vu mon frère depuis. Septembre, juste avant le confinement. J'espère vraiment pouvoir le faire parce que c'est la première année que je suis complètement séparée de mes parents. Avant j'étais en études sup, du coup j'avais des vacances à la Toussaint, donc à Noël je les vois pas, ça repousse à l'été prochain quasiment. Courage Aka, courage, courage, courage. Vous êtes trop mignon, on t'envoie du love dans le chat. Bonsoir Rosserande, comment ça va? Comment ça va, comment ça va? Je vais jamais y arriver moi dans ce bordel là. Attendez, Zabuton, on s'en fout, barrel de pétrole. Ah oui. Comment ça? Ah, ça me dérange pas.
J'ai des rondins champignons. Ah, attendez, est-ce que je mets le baril? Non, parce qu'il va me gêner. On peut peut-être par contre le mettre genre là. Qu'est-ce que je gomme ça? Ah, il me le place. Genre, j'ai cru qu'il allait faire. Ça va super, et vous ici? Bah, ça va. On parle des cadeaux de Noël en général. C'est vrai que ça fait du bien au moral. J'ai vu ma famille en octobre. Ça faisait 10 mois que je ne les avais pas vus. Ça m'a fait du bien. Oh, tu m'étonnes, Karine, tu m'étonnes. Ceci est un message important. Merci, Wizbot. Attends, t'as une manette Super Nintendo dans les mains? Ou alors j'ai mal vu. Oui, c'est une manette SNES. Ou Super Nintendo du coup. Mais qui est compatible avec la Switch. Et PC, et c'est une manette en fait Bluetooth, hein, y a pas de... merci beaucoup Enolou. Merci beaucoup pour tes cheers. Plein d'amour à tous et que vous et vos proches soyez en bonne santé, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau cadeau. Mais oui, merci beaucoup Enolou, c'est adorable. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'arrive, j'ai AFK, je dois faire ma lessive. J'aurais que ma lessive, ça marche AK. Oh, Titi, elle envoie une nouvelle vague de love. Merci, merci beaucoup. C'est stylé ça. Pareil, j'ai pas vu mon frère depuis octobre. Chez mon frère, on a tous eu le Covid car sa femme est infirmière et l'attrape à l'hôpital. Oh, courage, Lucie. Courage. Moi, ça va, ma maman, elle l'a pas eu. Pourtant, elle a. Elle a été faire des tests Covid et tout. Franchement. Moi, c'était une angoisse à chaque fois. Ils étumaient bien tout, hein. La parka, les lunettes de plongée. Oui, parce que quand ils ont commencé, ma mère, elle y est allée en. Elle y est allée, elle avait pas le matériel. Hein. C'était. C'est mon frère qui est carrossier peintre qui lui a envoyé les masques pour se protéger de la peinture. Je vous jure, je vous jure. C'était plutôt comique. Hein. On va essayer de se voir un peu pour Noël malgré que ça soit compliqué car ma mère et ma soeur sont des personnes fragiles. Courage. Oui, j'ai dû faire une pause, j'étais au téléphone avec ma maman. Ça marche, Titi. Je vais un peu à l'arrache. Hein. Tendresse à buton, tabouret. Il est où mon. Non, mais j'en ai fait un en vrai. C'est ça? Bah non! C'est ça. Non, pas du tout. Oh, ça va être costaud ça, les gars. Attendez. Tin. Mais comment ça? Ma. Oh, j'ai plus de fleurs. Let's go to the beach. Itch. Perso, j'ai galéré à trouver les masques. Au début, c'était l'enfer. Mais mon frère en a ramené. Mais en vrai, heureusement qu'il les avait. Parce que je sais pas comment. Oh non! Comment ma mère, elle aurait fait? Et elle y allait avec ma blouse de chimie. De quand j'allais au lycée. Ah, mais j'ai retrouvé ta blouse. Nickel. Bah, je dis oui, tu me l'avais pris. Elle était si grande. J'ai pas grandi, maman, depuis le lycée, hein, tu le sais. Attention, choix de mon île et de sa forme et tout concentration. Attention, concentration, Michael. J'ai fait un screenshot pour regarder ta map, mon dieu. On est en admiration ici. Oh, merci, Rousse. Attendez. Oh, pff, quel con. En vrai, c'est le bordel, hein. On est en train de tout péter. Hein. Ouais, j'ai un canard. Hein. Mon canard est toujours là. on est en train de tout péter. Hein. C'est, je ne sais pas où on va mettre le camping. Je ne sais pas. Je vais me faire le test la semaine prochaine parce que je suis en stage aux urgences. Je veux être sûre d'être négative pour Noël et ça me stresse de ouf de faire ce foutu test. Courage, Océane, courage, courage. La fameuse blouse, ouais. Ouais, ouais, la blouse. Et le pire, c'est qu'en plus, dessus, on avait une tradition au lycée, c'est qu'à la fin de l'année, non, bah c'était collège, quel con. Non, c'était ma blouse de collège. On écrivait en fait, parce que au lycée, non. On n'a pas fait ça. Et du coup, on s'écrivait tous des petits mots sur la blouse. Je sais pas si vous aviez fait ça. En tout cas, moi j'avais fait ça. Et du coup, il y avait. Alors, c'est passé depuis, ma mère l'a lavé et tout. Mais il y a encore des trucs à l'indélébile. En regardant ta map, on dirait un peu comme un ciel étoilé avec la lune, ça rend super bien. Merci beaucoup, Inoulou. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Affichez-vous. Ah ouais, un petit peu. On aurait pu faire des constellations. Oh, idée d'île. Une île constellation. J'avais fait ça aussi. Et coucou, hello. Avec les marqueurs, oui. Ouais, voilà. À l'époque, on m'appelait pas Cachou. On m'appelait Sushi. Parce que je faisais des petits chignons, des petits kikis sur ma tête, plaqués. Et du coup, on m'appelait Sushi. D'ailleurs, ma mère s'est bien moquée de moi. Quand elle m'a ressorti la blouse, elle fait « Ça te rappelle rien, Sushi ?»
Et pareil, j'ai fait une photo sur Insta où j'ai fait des kikis et ma mère a mis le commentaire d'ailleurs. De toute façon, à la moindre occasion de se moquer, il y a du monde. Hein. Le caca. Le caca, c'est délicieux. Ok. Oh là là. 3, 2. Non, secoue pas les arbres. Non, arrête. Paf. Ok, je l'ai eu. Coucou Lucifer, comment ça va? Comment ça va Lucifer? Du coup, après Planète Zoo, j'arrive sur Terre SNH et attendu, elle a l'air super belle. Merci beaucoup, Hello. Robe à large motif. Ah oui, mais là, je suis sapée en constructeur. Donc attendez, là du coup, qu'est-ce que je peux mettre? Panneau de camping. En vrai, j'en ai deux. Est-ce qu'on mettrait pas le panneau de camping ici? Bah super. Non. Attends. Ah, oh, ça m'agace, ça. Re-aka. Le linge est propre. Le caca, c'est délicieux. Vous savez pas d'où ça vient, ça? Allez. Je connais par cœur ce film. Est-ce qu'on le met comme ça? Merci beaucoup, Manon, pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Fini semaine, donc ça va, super. Repos et chill pour le reste de la semaine. Oh, la chance! Par contre, je voulais le mettre dans l'autre sens, mais je vais me retrouver comme une andouille. On va devoir appeler Rizetti. Est-ce qu'on le tire un poil? Ou est-ce qu'on le pousse peut-être? Est-ce que tu peux sauter? Super bien, merci. Ah oui, quand même. J'ai revu ce film, il y a une semaine. La Triomphanasse Infernale. Caca, c'est délicieux. Un enfant de 6 ans. J'adore. Me lancez pas dessus. Hein. ça va super bien, j'avais lu. On peut changer de rôle juste pour une semaine, s'il te plaît. Je me souviens plus, pourtant je l'ai vu. Les dossiers de cachou. Qu'est-ce que t'as fait, Aka? Oh mon dieu. Alors attendez, pour le coup. Ah, on peut pas poser un tabouret s'il y a le truc là. C'est embêtant ça. C'est embêtant tout ça. Bah alors là ça va être coton. Comme on dit dans le jargon. Ah, je peux rien poser dessus. Il va falloir qu'on trouve un truc à poser. Ah, en retirer un. Ça fait le boulot, on va dire. Pour toi, t'as mes filles avec plaisir. Oh, quel prince, ce Lucifer. Pour commencer, bien jusqu'à la vision de mes deux premiers habitants, une poule et bouloche. Bah, ça va. Qui c'est les habitants? Bouloche, ça va, en vrai. Pour garder la même référence, décrire des cachous, je dirais, waouh, c'est de toute beauté. Coucou Fabien, comment ça va? Bouloche me fait si peur. Ah ouais? Oh non, mais dites pas ça à Michaela. Est-ce que non, attends. Oh non, mais j'en ai marre. Est-ce qu'on peut pas mettre les items? J'en ai marre à chaque fois que je cherchais de jamais trouver. Je risette à me dire pas possible. Oh. Risette numéro 610. Courage, Michaela, courage. Comment ça procède? Et là, oh, dame et fille. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si possible, vous m'aviez parlé d'une lampe jacinthe. En avez-vous toujours une à m'envoyer, s'il vous plaît? De toute façon, on peut changer les habitants, non? Oui, en fait, oui. Après, enfin, en fait, tu peux changer les habitants, Alana, mais au bout d'un certain moment. C'est-à-dire que, au début, tu peux pas les changer tout de suite tes habitants. Donc ça veut dire qu'elle va avoir Bouloche et la poule. Alors je sais pas qui c'est peut-être Poulette. Pendant, merci, dame et fille. Pendant un petit moment. À la fin de ton live, peut-être je serai encore là, je serai dans les livres des records. Merci dame et fille, prenez habitant Gertrude, ce fut horrible. Elle est vraiment dure à faire partir. Au moins j'en ai un qui me plaît. Bah oui, au moins t'en avais un qui te plaisait.
Là, je veux mettre. Je pense qu'il faut que j'aille sur la plage me chercher. Ça commence à ressembler à. Voilà. Là, vous voyez, ça me plaît. Faut que toute l'île soit comme ça. Ça va être compliqué. Ah, ou alors on met ça. Oh, oh, je sais ce qu'on va mettre. Non. Je sors de l'ombre pour te demander c'est quoi le code de pattern au sol STP. Coucou Nonos. C'est sur le Discord. Je connais pas, mais tout est sur le Discord. Nonos. Tu faut que tu valides en fait les conditions d'utilisation du, les conditions en fait du Discord et après tu as l'onglet motif et tout est dedans. Il est temps pour moi de vous quitter. À bientôt, bonne soirée à tous. Des bisous à Lana, des bisous à toi. Merci d'être passé. Des bisous. T'en faut combien? Oh bah une Damefi, ne vous inquiétez pas. Une, ça sera très bien. Pourquoi les titres on n'est pas prêt? J'ai raté un épisode, je pense, parce que j'ai tout démoli et Nolou. Enfin, j'ai démoli beaucoup sur mon île. J'ai eu Brutus, il est toujours là, il ne veut pas partir ce petit. Bah moi vous vous souvenez, hein, Kat elle est partie il n'y a pas longtemps hein. On a eu du mal à la faire partir hein. Ça a été compliqué hein. Je vais voir, merci, il n'y a pas de souci. Des bisous à Lana. Il n'y a pas de problème Nonos. Du coup je me dis, on peut mettre la lampe. C'est infernal. Tabouret trop placé. Ah non. Là, ils me font un rondin champi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, autant que ça. Bah regarde. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai peut-être fait des photos de comment c'était. On va regarder ça. Attends, Enolou, je vais faire voir. Regarde. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir si j'ai pas une photo de ma place ou de ce que j'avais fait. Ça, c'est les bêtises chez Nelou. On voit pas. Ça, c'est chez Nefi. En fait, j'ai pas de photo sur mon île. Pratiquement. Je suis con, j'aurais peut-être dû faire une photo. Bah là, on voit la petite tente, mais on voit pas trop ce que j'ai fait. Si, c'était déjà comme ça. Ah, pas du tout, c'est Wonderland. Quel con. Ah voilà, Astoria quand j'ai commencé. Merci à tous, je pars après les photos du coup. Ça marche à Lana. Bah j'ai pas, je retrouve pas. Je retrouve pas, mais en gros, en fait, ici, donc tu l'avais. En fait, je sais pas si tu te souviens, mais on n'avait pas le petit pont ici. On avait en fait une passerelle qui partait de là et qui nous permettait de monter au-dessus du camping. Là, il y avait le verger. Donc là, il y a encore un bout du verger, mais j'ai cassé. En fait, on passait là, il y avait la colline là, tout à gauche. Et on passait en fait comme ça. On rentrait dans le camping. Donc là il y avait le camping. Là il n'y a plus. Vous voyez la petite tente là-bas. Il y avait le camping ici. Voilà. Et on est en train de refaire tout ça. Donc j'ai tout pété. Voilà. Tout simplement. Tout pété. Oh non. Attends, je fais une connerie. Oh, je me fatigue. En fait je me dis que ça il faut que je le mette de l'autre côté. Oh non Camille. Oui. Bon pas grave. On va laisser ça comme ça pour ce soir. Du coup voilà Enolou, j'ai quand même tout cassé et il faut que je pense que je casse encore. Je ne sais pas si je laisse ce pont, je pense qu'il va virer et je vais faire une espèce de petit saut. Parce qu'en fait j'aime plus ces ponts là, je les trouve jolis. Mais je trouve que les ponts que j'aimais pas, donc les ponts zen, sont plus dans mon thème finalement. Je trouve qu'ils s'accordent vachement mieux. Voilà Enolou. Du coup, je voulais faire quoi? Là je voulais mettre un potal je pense, mais je ne sais pas. Ah non, bah il va nickel où je voulais qu'il aille. En fait, ce que j'aime beaucoup faire... je ne savais pas si j'ai oublié ou bah ça effectivement c'est pas mal de changements. Un peu, ouais.
Je vais en refabriquer un. J'aime beaucoup en fait mettre les rondins champi et les rondins comme ça à côté. En fait, ils sont pas à la même taille et du coup, j'aime beaucoup. Et bonsoir, Weebess. On dit Weebs. Weebess ou Weeb. Ou Weeb 06. Weebess 06. Comment vas-tu? Oh, bah Pollux, pas de coucher. Non. Lève ta cul. Voilà, j'aime bien faire ça. Là, je vais mettre une petite lampe jacinthe. Et du coup, qu'est-ce que... Ouh, alors non. On va mettre une lampe jacinthe là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le son en bois, il m'agace. Je sais pas, on va trouver un truc à mettre. Plus en PLS, de ouf. Alors, le petit seau, on le met pas là. Pollux! Merci Daméfi, je vais regarder ça. Non, là c'est trop dans le chemin. That's not okay. On va le remettre là. En fait, il est trois lignées. Ou alors je le décale. Attendez. Je fais une overdose de AC, j'y joue plus. C'est vrai, Weebs? Weebess? Oh, je sais pas comment t'appeler. Moi ça va, en fait je casse tout, je recommence tout. Allez, moi je vais dormir, je vais devoir vous laisser là, je vais vaquer mes occupations, bonne fin de stream et bonne déco. Merci beaucoup à Deadpool, des bisous à toi. Je vais chercher la lampe tout de suite, Daméfi. On va la mettre là, je pense. On va passer par là. Et il y a un autre endroit, hein. Ça c'est pareil, hein. Je sais pas à terme si ça restera comme ça. Aujourd'hui je le laisse comme ça, mais parce que j'aime bien que ça soit habillé derrière mon... Mais ce pont là, je pense qu'il va dégager. À terme il va dégager. Pareil au-dessus, faut que je décore encore. Oh, elle est si loin d'être finie mon île en vrai. Mais je me connais, hein. Il y a que le coin de ma maison, je pense que je changerai pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Une overdose d'AC. Je ne peux plus jouer. Mais tu peux en regarder quand même. Est-ce qu'on n'a pas un petit livre? En vrai, j'aime beaucoup les livres. Pareil, en vrai. Je voulais faire un truc avec ça aussi. Pareil avec les cartons. Trop de trucs à faire. Nickel. Ah, j'ai un autre petit seau. C'est une bonne chose à savoir. Et salut Maëlle, comment vas-tu? En vrai, je suis assez triste parce que les trucs d'Halloween, finalement, à part les piles de citrouille éteintes, bah voilà, voilà quoi. Bah ça aussi que je voulais caler quelque part. Et les petites tentes, pour l'instant, je les prends pas parce que je sais pas ce que je vais en faire. Oh, il y avait ça aussi. T'es full en poche là? C'est fort en pomme. Mon chat s'appelle Pollu et ça me perturbe du coup d'entendre son nom venant d'écran. Pollu ou Pollux? Regardez, ça va. Ah, ça va. C'est bon, j'ai trouvé le motif. Merci beaucoup. Mais de rien, Nonos. De rien, de rien. Oui, c'est vrai. Justement, moi aussi, j'ai tout cassé 4 fois. Il reset ma partie une fois. Je pense que j'ai trop fait. Du coup, c'est devenu chiant parce que je trouve jamais mon île. Que mon île est ouf. Ah, je comprends, Weebs. Je comprends. Moi j'ai reset une fois, j'ai reset en fait début août dernier, donc là c'est ma deuxième île. Moi j'ai reset parce que en fait j'aimais plus le nom de mon île. Plop. Merci Daméfi. Plop x 2. Merci Daméfi. Et du coup là je resetterai pas, mais je pense que en fait on va finir l'île. On va en faire un truc qui me plaît à fond. Et puis peut-être qu'un jour, je resetterai pas le jeu, mais on rasera et on changera de thème, vous voyez? Mais Astoria, c'était le nom que je voulais donner, en fait. Je pense perso faire un thème avion et espace. C'est trop bien ça, Astra. J'en ai parlé à Noabe de faire un thème, en fait, lunaire, une planète lunaire, avec du sable et tout, ça pourrait être trop bien. Camelot, oh bah oui, Camelot. Oh, mais j'ai un koala et un fond million Burk. Encore une vague d'amour pour Titi. du coup, attendez, elles sont de quelle couleur? Moi je reset parce que j'aimais plus l'emplacement des trous des fleuves et la place de la mairie. Ah ouais, j'ai aussi vu un truc qu'il faut que je fasse. C'est une trop bonne idée. Oh, merci Damien Fille. Par contre, je vais pas les mettre de cette couleur là. Mais merci Damien Fille. Et des poires horribles.
Moi j'ai quoi? J'ai orange. En vrai ça me dérange pas. J'avais des pêches sur la première et là j'ai orange. Après 30 galères, j'ai fini les mots croisés. Oh, GG à Cachou. Ah oui, n'oubliez pas d'aller si vous voulez, il y a un concours en cours sur le Discord. Donc pour ceux qui sont déjà sur le Discord, vous avez juste à cliquer sur le lien, ça vous emmène direct sur le channel. Et c'est jusqu'à dimanche. La remise des prix se fera en live. Noé nous a préparé un petit truc aux petits oignons. Et vous allez voir, c'est plutôt chouette. Et on fera la remise de prix et il y a pas mal de lots à gagner. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des mots croisés. Effie vous a donné des indices avec des lettres. Donc n'hésitez pas à participer. Merde, je suis con, j'ai oublié d'ouvrir l'autre cadeau. Ça risque de durer longtemps, j'avoue. Orange, pêche, cerise, ok, mais pas des poires. Ah, moi, en vrai, si ça avait été des poires, j'aurais été trop contente parce que j'aime beaucoup le vert. Re pour la deuxième fois, re la fille. Personnalisons un truc. Elle est gentille, Effie, quand même. Ah bah, Effie, c'est la plus gentille. Hein. Non, vous êtes toutes les plus gentilles. Merci Damefi pour les hyacinthes. Les lampes. Alors, on va mettre la lampe ici. Comme ça, quand même. Oh, ah ouais, j'aime trop. Et là, on va mettre un petit livre. Oui. Mais quel enfer, il est où? Je l'ai pris quand même. Ah oui. Tim, je gommette des livres partout. Je pense qu'il va me le mettre trop loin. Par contre, on peut peut-être le mettre là. Oh non. Oh non. Je suis pas convaincue, l'eau. Pourquoi pas une île de livres? Une pile de livres à la place du tabouret tronc. Parce que les piles de livres, ça demande beaucoup de livres et que là, j'en ai pas assez. Oui, bah, il faut que je rachète. Il faut que je recommande des livres d'ailleurs. Attendez. C'est une très bonne remarque. Non, attends. Attendez, parce que, par contre, moi je les prends. Soit ceux-là. Soit ceux-là. Soit ceux-là. Ok, voilà, on a recommandé des livres. Ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, ça me plaît déjà un peu mieux. Là, il faut que je mette... En vrai, est-ce que mon... Oh bordel, c'est chiant. Il passe, nickel. Par contre, on peut pas le pousser. En vrai, ça, c'est pénible. C'est pas grave, au moins il passe et ça fait ce que je veux. Donc ça c'est bon. Est-ce que tu time travel ou tu es contre? Alors je ne suis pas contre. Bah, il y a eu un nouveau follow mais ça n'a pas marché. Merci beaucoup Notfeishi pour ton follow. Je vois Wizbot mais j'ai pas l'alerte. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup je time travel quand par exemple, tu vois hier j'ai pas joué, du coup ce matin j'ai time travel en arrière pour faire ma... pour faire les boutiques d'hier et là je suis re à la date d'aujourd'hui mais je vais time travel dans ce sens là en fait je vais pas time travel pour aller voir par exemple la neige sur mon île ou pour aller voir les événements ou débloquer des choses genre j'ai attendu les plans champi, je vais attendre la neige, je time travel pas dans ce sens là maintenant je suis pas contre, je respecte ceux qui veulent jouer avec le time travel, chacun joue à sa façon et il n'y a pas une façon de jouer à Animal Crossing, il y en a plein, chacun la sienne. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et bonsoir Léa, comment ça va? Coucou normal, je suis un ancien follow, Phaeton. Ah, ça marche! Eh bien, re, Phaeton. J'espère que tu vas bien, nickel. De toute façon, pour les events futurs, la mage, tu peux plus. Oui, c'est ça. Oui, mais par exemple, tu vois, je vais pas aller chercher, les décos de Noël. Tu ne t'étais pas pour faire avancer les constructions. Ça dépend, Wibbs. Ça dépend. Ça dépend. Si je suis pressée, si. Sinon, je vais attendre. Yes, pareil. Ça va très bien, toi. Ça va très très bien, Léa. Je viens d'hurler. Je me suis fait attaquer par une tarentule. Même dans le jeu, j'ai peur. Ah, mais non, mais elles sont horribles dans le jeu. Je comprends. Du coup, attendez, parce que... Donc, vous voyez, c'est ce genre d'ambiance que je veux recréer sur l'île. Là, il faut que je monte en haut. Là, il y a un problème. Attendez. Ça va pas. Il manque des fleurs. Il manque un truc.
Ça fait vide. Oh, comment je vais faire? On est dans le caca là. Vous savez ce qu'il faudrait? Nickel. Oh, dès que j'ai le plan, je vais en faire. Ah, maintenant, j'ai pas de jacinthe. Il va falloir que je fasse. C'est les jacinthes. Ah, mais si, je les ai, celles qu'il faut pour ça. C'est bon. Ballon. Ouais, attends, j'y vais. Ah, mais Pollux, va te coucher, sérieux. Oh non! J'ai déclenché un truc que je voulais pas là. Tais-toi! Fait chaud dans le bureau. Oui? Oui! Oui! Je passais juste faire un coucou et demander comment vas-tu. Je suis obligée de retourner étudier, mais pendant les vacances de Noël, je serai à fond sur tes streams. Merci beaucoup, c'est adorable, notre Feishi. mais ça va très bien. Bon courage à toi pour tes études. Vague de love aux étudiants. Bon courage à vous en cette période. C'est la dernière ligne droite avant les vacances. Mais merci beaucoup pour ton petit message. Pollux en colère, en colère. Non mais Pollux, va te coucher en vrai. C'est pour bailler. A plus et merci. Des bisous, notre Feishi. Des bisous, des bisous. Aquarium d'Artemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met le camping, genre... L'eau? Qu'est-ce qu'on fait du camping? Moi en ce moment c'est la déprime. Oh bah non, qu'est-ce qui se passe, Astra? Dis-nous. Tu as un compte Instagram? Oui, oui. Alors attendez, je ne sais jamais si j'ai fait une commande pour ça ou pas. Faut que je les mette sur mon... Oui, je l'ai fait. Voilà. Perso, j'y étais souvent, mais c'est pour les fêtes, les étoiles filantes célestes, pour les bâtiments. En gros, quand je fais le quartier résidentiel, et même pour faire pousser des plantes. Ah, je comprends, le film, je comprends. Je recommence une troisième fois. Courage, Michaela, courage. Je suis un peu perplexe. Ou alors là, on fait... on met une petite table et tout. J'ai pas pris une table, d'ailleurs. On fait un petit truc pour les fruits. On fait un petit coin avec une... Mais comment ça? Je sens que ça va pas me plaire. En vrai, faut que je laisse ça comme ça, je pense. Attends, je vais chercher mes barrières. Pour faire une grille de prison. Ah, barbelé. Barbelé. Rondin. Et ça, ça doit être les cordes. J'en veux pas des cordes. En vrai, les cordes, elles sont jolies à l'unité. Mais quand on fait des... quand on met... Pourquoi j'en ai autant? T'as loupé mon message. Bah non, perso, je t'étais souvent, mais pour les étoiles filantes, célestes et les bâtiments. Je l'ai lu, Luffy. Je l'ai lu. Je suis apprentie dans l'événementiel. Je viens de commencer, sauf que notre plus grosse veine vient d'être annulée. Oh, courage. Mais courage à toi. En vrai, ceux qui sont dans l'événementiel, ça doit être si dur aussi. On était encore sur des poires, un pont et un bouc. Ah, t'avais Julie. Courage à vous, hein, courage. Gâteau fait par maman. Bambuche, tabouret en pierre, coussin chrysanthème. On va prendre ça. Ah, bah, c'est pas le bon que j'ai pris. Nickel. Panier de fruits, brasero inox. Et ça, c'est quoi? Spot de sol. Merci beaucoup, vous êtes adorable. Oh, mais je peux même t'envoyer du love, regarde donc. J'ai acheté Zelda grâce à un de tes lives. C'est vrai, Wib? T'as acheté Zelda? Mais quelle Zelda? Breath of the Wild, du coup? On en refait samedi. Oula. Ah, Luffy, attention, mettez pas plus de 5 émotes. Hein. Sinon, Moubot, c'est un vieux de la vieille. Donc, il est pas sympa. Bah, il banne un peu rapidement. Oui, celui-là. Ah, et alors, ça te plaît? Ah non, il va me gonfler, Pollux. Bouge! Non, attendez, par contre, ça va pas le faire. Allez, dégage. Allez, chou-chou. Non! Oh mon dieu! Pire qu'un enfant. Il goume. Ah,
Est-ce qu'on fait l'angle ou pas? Non, vas-y, je vais t'enfermer là, tu vas rien comprendre, mon gars. Ouais, j'adore, j'ai du mal à trouver mes armes potables pour pouvoir tuer certaines créatures dans les sanctuaires. Désolé si ça spoil. Non, mais y a pas de problème là, c'est pas un spoil. Y a pas de spoil là. On va le goumer. Non, mais... Pff, insupportable cet enfant. Ici, on va foutre du pattern. En veux-tu, en voilà. On va mettre. Petit caillou. Là. Petit géranium. Ça manque de trucs dans mon... Ah mais c'est normal, j'ai enlevé des trucs. Non, pas là par contre. Là c'est sale. Ici. on va mettre aussi... Attendez, ça. Oh, j'ai si hâte de la neige, je vous jure. Ah oh, mais non, mais du coup c'est pas bon là. Ensuite... on peut créer des choses pour mettre sur le sol. Comment ça, Remedia? Dans 3 jours la neige. Ouais, dans 3 jours la neige. Et Titi pour sa nouvelle vague de love. Trop mignonne, Titi. On va du love, Titi. Attendez. Paf. Ici. Ça. Tac. Ici. Oh, c'est infect, hein. Moi je sais pas comment, je sais pas à quel moment les développeurs ils se sont dit on va mettre un truc qui fait du bruit sous la terre. Ça va être génial. Voilà, c'est un mode. Il y a des plantations et tout, ça me plaît. Peut-être rajouter des petits champis, mais je veux pas mettre cela. Les mauvaises, ça fait. Plus perdre des étoiles. En fait, là, je vous explique un truc. Marie m'est déjà tombée sur le coin du nez en me disant il y a trop d'arbres. Donc, terminé. M'en fous. Les 5 étoiles. En vrai, j'ai déjà des échelles de Jacob, enfin des brins de muguet maintenant, mais j'en ai déjà. Donc, au pire, c'est pas grave si je suis plus 5 étoiles. Faut que je retourne avec le manège enchanté. Ok, je sors. Bonne blague, Noctali. Bonne blague. Ici, en fait, je voudrais faire. Donc, on a toujours le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On garde ce pont ou est-ce qu'on l'enlève? Ils disparaissent pas les bras muguets. Non, en fait, il y en a juste plus qui poussent, Karine. Garde-le, les choux. On garde le pont. Je dois y aller, toujours un réel plaisir de passer sur les lives, sur tes lives. Je suis en recherche d'emploi, donc bien fatiguée. Très bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Des bisous, Enolou. Des bisous à toi. Merci pour tes petits messages. Courage. Repose-toi bien et à la prochaine. Des bisous. Tournicota. on le garde. Mais est-ce qu'on le garde comme ça? Ouais, ça fait comme ça, ça fait pas répéter. Alors par contre. Allons chercher un arbre. Oui. Oh bah non, épicure, qu'est-ce qui se passe? Ah Camille, dis-moi, il paraît que ces derniers temps, on te surnomme ma plume, c'est vrai? Il est trop bien surnom, ça te dérange pas si moi aussi je t'appelle comme ça? Chaud. Allez, vas-y. Ouais, j'espère que tu dises ça. Maintenant, je fais partie du club ma plume. Merci. Trop mignon. Ah mais si tu manges pas le fruit d'abord. Moi j'aurais justement mis un pont suspendu à la place du pont zen. Ah ouais mais en fait oui, le truc c'est que les ponts suspendus, tu vois, j'en ai déjà et en fait je trouve que ça fait trop tropical. C'est joli mais en fait j'en avais tellement mis sur mon ancienne île que là je préfère en fait les ponts suspendus, les ponts zen. Et voilà Zébulon. Donc ça, pareil, les arches comme ça, faut que j'en refasse. Fallait une grille aussi. Pas long. Et là qui voilà, l'inspecteur gadget. Et là qui voilà.
Oh, il est si loin. Attends qu'il passe. Ça me dit pas ce que je fais et où je mets le camping. Ah, un truc comme ça, ça me plaît. On va refaire le chemin ici aussi. Hein. C'était resté... C'est pas bon. À cause de ça, l'eau. Tac. En fait, je vais peut-être refaire un petit coin comme ça. Peut-être genre là. Ou alors, attendez. Du coup, j'ai ma table basse là. On peut peut-être en faire un truc. Il est comment? Il est pas personnalisé. Non, ça va pas. Ou ma table de craft. J'ai le time. Oui. Alors. Du coup, j'ai changé mes patterns. Ah oui, on avait pris ensemble, mais je les ai changés. Du coup, ça, c'est les trucs des... Je vais vous montrer après. En fait, c'est des patterns qui changeront au fil des saisons, je pense. Je pense que je ferai ça. Oh là là, mais je ne sais pas quoi en faire. Au secours. J'arrive pas à m'habituer. Oh ! On va le perdre. Docteur, c'est bon. Ouh là, c'est chaud patate. Hein. Disjoncteur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce truc ? À quel moment ? Est-ce que la neige, elle va recouvrir ces chemins-là ? J'ai un doute, hein. Animation express. Est-ce que vous savez si la neige, elle recouvre genre ces chemins-là ? Ou est-ce que tout ça, ça sera pas recouvert par la neige ? Sauf la pelouse, évidemment, mais... Parce que du coup, ça va beaucoup me trigger. Non, ça recouvre pas. Non, je pense pas. D'accord, merci Candice et merci beaucoup Wib. Je vais réussir à faire partir Polito. Enfin, GG Astra. Non, elle ne recouvre que l'âme. Ça marche. Merci Titi, merci tout le monde. Mais Pollux, tu veux pas aller embêter quelqu'un d'autre en vrai? L'île, elle est grande, hein. Relou celui-là, hein. Ça va être si beau. Je lui fous un coup de motif personnalisé aux fesses. Il va rien comprendre. Dégage. Dégage ou je te dégage. T'es sur le chemin, ouais. Et puis je vais misclick, je vais faire A. Ok. Du coup ici. Ça fait quoi? Je vais le taper. Je vais vraiment le taper. Va-t'en. Le pauvre. Pot de colle, Pollux. Non mais en vrai, il peut aller autre part. Je... Avec les personnes. Est-ce qu'on met 100... Non, ça va pas. Est-ce qu'on peut mettre... Oh non. Ah, on peut pas le mettre dessus. Ça aurait été bien, tiens. Je voulais mettre quoi? Attendez. Dans ma tête, ça va si vite. Non, le pot, on va le mettre là. Oh c'est bon, cerise, aéroport jaune, bouloche et Vanessa, j'aime, je valide. Ah bah GG. GG, Michaela. GG à toi. Il veut qu'on le remarque. Bah je vois ça. Oui. Hein. Oh, mais arrête de bailler en vrai. Non, c'est bon, j'ai eu tout le petit message. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que j'ai des... Attendez, l'eau. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Ça, c'est pour le camping. Faut qu'on voit où on remet le camping. Ah, panier de fruits. C'est ça que je voulais. Bambuche. Ah, bambuche. Gâteau fait par maman. Qu'est-ce que cette chose? Bref. Je le savais. Échangeons quelque chose. Vas-y.
ça pouvait partir à la mer, ça m'arrangerait. La mairie est trop proche de l'aéroport et les rivières bien mises. Et pas trop proche de l'aéroport et les rivières bien mises. Bah GG, t'as trouvé la bonne île. T'as trop de chance. Ou la quatrième fois. Oh, en vrai, c'est trop bien de redémarrer le jeu comme ça. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le collerait pas? Genre comme ça. Je lève la tête, mais ça n'a aucune incidence. Ou alors il faudrait qu'on mette genre une petite machine à écrire ou un truc. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire avant toute chose? Embûche, placée. Mais pourquoi j'ai ça là, moi? Par contre, il veut pas me le mettre genre bien au milieu. Eh, le jeu, si t'as pas envie de faire comme je veux, 4 fois seulement, j'ai pris mon temps, j'adore. T'as raison. J'aimerais bien reset aussi à nouveau, mais je passais mon temps à cataloguer tous les objets du jeu, donc flemme, je comprends. Genre là, ça marche. C'est une blague. Tac. Est-ce qu'on peut mettre, peut-être... Moi, comme ça me plaît. En vrai, les mettre en blanc, ça peut peut-être faire bonhomme de neige, non? Je comprends, moi aussi. Ah, mais je sais pas si là, du coup, elles font pas tâche. Elles ressemblent à quoi en blanc? Juste, on va les voir. J'ai pas les citrouilles, mais... Ah si, c'est plus joli comme ça. On va aller chercher des citrouilles. Ok, on commence à avancer. Hein. Ça commence à ressembler, à me plaire beaucoup plus déjà. Ça fait en fait, ça ressemble à... voilà, à ces petits coins là. Vous voyez, ça me plaît. C'est fou là ça. Oh, Bibi qui s'instruit. Attention, attention. Ah, il faut combien de citrouilles blanches? Merde. Mais qu'est-ce que ça fout encore dans mes poches ça? À mon avis, il en faut plus que ça, mais je sais où je peux en trouver. Oh, ça, j'aime beaucoup. Re, vous avez fait quoi? Eh ben, on avance bien, Ragdi. Attends, je vais te montrer. Tac, 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 tac. Faire tout le tour maintenant. Attention. Et où? Oh, je pense que c'est ok. Oh, j'ai couru dans les fleurs. En vrai, j'aime bien les cosmos blancs. C'est mes fleurs préférées. J'ai tellement hâte de voir dans la neige. Je commence à bien vider l'île. Même quand c'est cassé, je trouve ça si joli avec les petits bulbes blancs, là. Petit retour, toi, nos hiboux. Merci, Titi, pour tes cheers. Merci beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... merci, Titi. T'es de retour, toi, nos hiboux. Elle est au taquet. Qu'est-ce qui se passe, Luffy? Vous avez fait quoi? Attendez, regarde. Get donc, get, comment on dit? Ouh, il est rouge. On va attendre qu'il arrive. Là, on va mettre une cascade pour que ça fasse la continuité. J'étais en train de dire que je me vais me faire ban. Je sais pas si je fais le parc d'attractions ou pas. Bah je sais pas, comment ça Luffy? Merci Noé pour tes cheers. Moi aussi je sais faire n'importe quoi. Oui je t'ai manqué. Commençons par une simple tente, j'avais oublié les arnaques de Nook. J'ai pas compris Luffy, comment ça ton parc? Nye. Oh pardon, c'est mort. Oui. Personnalisons. Est-ce que j'ai assez de citrouilles? Oui. Ah. Je sais pas, j'ai jamais mis de blanche encore. Let's see.
Gâteau fait à maman, on peut en faire quoi? Attendez, je savais même pas. Vous pouvez les personnaliser. Enfin, j'ai oublié. Oh. Bah tout de suite les carottes, hein. En vrai, quand je vois ça, je me dis, mais quand est-ce qu'on a des carottes dans le jeu, quoi? C'est si beau. Où est-ce qu'on le met? Peut-être à la place du bouquin, non? Ou alors? Moi, ouais, j'y vais, pas de panique. C'est grand. Je pensais pas que c'était si grand, enfin si large. Oula. Oh non. Paf. Les carottes sont cuites. Elles sont cute. Je sais pas si j'ai fait le parc d'attraction sur mon île. Ah, sur ton île. Bah pourquoi pas. Si t'as une idée, vas-y fonce. Pot de lait et de sucre. Ça ressemble à quoi? En vrai, il est beau le gâteau, mais il est grand. On devrait peut-être le mettre sur la table finalement, non? Attendez. C'est super beau cet endroit. Merci beaucoup, Ragdi. Bah, c'est... Oh, je le savais. Je suis en train de me dire, il va me dire que j'ai plus de place. Oh, vous savez ce qu'on pourrait faire, c'est mettre le panier de fruits sur le... Attendez, on ramasse ça. Pose. Lâche ça. Prends. Je le savais. Bon, mange là. Bon, bah lâche là. Ah, tu m'énerves, hein. Fais ce que tu veux, mais dépêche-toi. Le gâteau sur la table et le panier de fruits sur le tonneau. Exactement. Mais du coup, j'ai pas le panier de fruits dans les mains. Attendez. Boum, bam, bim. Paf. Oh non. Attrape-le. Non, nickel. Là, on remet. Oh, c'est... J'ai l'impression de jouer au truc, vous savez, par un Tetris géant. Qu'est-ce que j'ai branlé? J'ai trompé. Oh non. Trouvé. Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait bim, bam, boum. C'est dans quoi déjà ça? Tac. Il est où le gâteau? C'est pas pour toi. T'as pas le droit, t'es tombé dedans quand t'étais petit. C'est pas un TikTok? Ah, je sais pas, j'ai pas TikTok. Aïe, je peux pas vous dire. Hein. Ah, j'aime beaucoup trop. J'ai vu aussi. C'est pour ça que j'ai mis les petits panneaux à l'envers, je trouve ça trop beau. Le panneau de camping à l'envers, il est si beau aussi. Attendez, en vrai, j'ai envie de tester un truc. Oh non, ça y est, je suis perdue. À la petite lampe, tu tournes. Oh non, mais Pollux, en vrai, il faut que tu sois pile à l'endroit où je bricole. Je t'ai envoyé un cadeau pour ton anniversaire, fille. Pour Eurovision, je crois. Ah ouais? T'es triste. Moi non plus, mais j'ai vu les vidéos passer en boucle de cette musique. Ah. Ça fait quoi si à la place, plutôt? Ah non, mais peut-être qu'on peut le caler là, en vrai. Oh non. Oh non. Eurovision Junior. Je sais pas pourquoi, mais Eurovision Junior, ça m'a rappelé la musique de Domino Days. Je ne sais pas si vous connaissez Domino Days. Je sais pas si votre génération connaît Domino Days. Mais c'était... C'était un truc qu'on regardait en famille. Et la chanson, ça faisait Domino Days. C'était trop trop bien. Je laisse la console charger un peu, je check après. Vous connaissez Domino Days? Oh, les souvenirs. C'était trop bien. Je me souviens qu'on se mettait dans le canapé avec mes parents et mon frère. Et on regardait ça, mais on était... C'était trop bien. Ça, c'est pareil, ça existe plus, ça. Ah, ça me plaît pas. Faut que je trouve un endroit pour mettre ça. Alors je connais pas du tout. C'est vrai? Bah regarde quoi, regarde Noctalie, Domino Days. Je pense que tu peux trouver des petites archives sur internet. C'était trop bien, c'était épique, c'était terrible les Domino Days. C'était trop trop bien. Ah, vous me rassurez. C'était trop chouette. C'était, enfin, en vrai, il y a rien aujourd'hui qui remplace ce truc là. C'était beaucoup trop bien.
J'ai envie de mettre le panneau de camping. En fait, le panneau de camping, peut-être qu'à l'envers, peut être sympa un peu partout. Dominali, c'était le rendez-vous en famille. Mais de ouf. Merci, Rose, pour le host. C'était la belle époque. De ouf. De ouf. Ça va, je suis pas seule. Ragdip, tu connais pas non plus ? J'ai pas eu ton petit message. Attendez. Insane. C'était Epic. C'était terrible. Je connais pas du tout. Noctali, pareil. Quoi ? Non, je connais pas. Ah ! Je suis pas seule. Domino Days. En vrai, c'était trop bien. En vrai, c'est con. Mais avec mon frère, on jouait à ça. Avec les caplas. On faisait la même chose, mais avec des caplas. Oh, bah j'ai envie de le laisser comme ça. Nickel. Alors, attendez. Oh, j'adore. Et la musique, elle était épique aussi, en vrai. Ah, merde. Au pire, je vais en planter. J'aime bien planter les, un peu les citrouilles un peu partout, vous voyez. Je coco pas. Coucou, coco. Coco, Corentin. Bienvenue à toi. En planter un. Je coco pas. En vrai, c'était trop bien. C'est vieux, hein. C'est très vieux. Hein. C'était avant les années 2000, il me semble, non ? Oh, la vieille. Ça va. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Ah voilà, c'est parce que c'était là. Faut que j'aille chercher des flyers. Oui ! Est-ce que je peux peut-être mettre les tendoirs ? Ah, c'est pas dans ce sens-là. Ha ! C'était avant 2000, il me semble, hein. il me semble. C'était si bien. Rien que la musique, les génériques, les mecs, ils étaient à fond dedans, en vrai. Hein. En vrai, pour ceux qui connaissent pas, Domino Days, c'était les JO du domino. Les gens, en fait, ils fabriquaient des... C'était de l'art, hein. C'était en fait des formes ou des images avec des dominos, et c'était bah, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui en fait, vous voyez, avec des pendules qui tapent dans des dominos. C'était des chemins, c'était le Fort Boyard du domino. C'était génial, génial. Ton île est vraiment top, trop belle, merci Ragdub. C'était ça, hein. C'était le Fort Boyard du domino, il n'y a pas d'autre mot. C'était génial. Tu fais quoi ? Je suis en train de reprendre un morceau de mon île, Corentin, parce que ça me plaisait plus, devant la mairie et le camping, tu vois, j'ai remis sur la plage, parce que ça me plaisait plus du tout sur mon île, cet endroit-là. Du coup, j'ai recommencé ça. Donc je suis en train de faire un peu de déco autour de ça, et voir comment je peux me dépatouiller. Voilà ce que je fais. Mon frère est né en 98, je sais pas s'il connaît ou alors mes parents. Jusqu'à 99, je connais. Ouais, en fait, c'était dans les années 2000. Genre, je crois que ça s'arrêtait en 2006 ou 2007. Max. Mais oui, moi je suis de 93. Donc. Et mon frère, 95. Donc, quand on regardait ça, on était petits, hein. On dépliait le canapé en fait, le canapé lit, le vieux canapé, et on prenait des couettes, on avait nos chocolats chauds, il y avait la cheminée, et on regardait ça dans le salon sur la vieille télé cathodique avec mes parents. C'est un souvenir. Devinez, je regarde tous les ans. J'étais stressée pour ceux qui avaient préparé les fresques, merci Hello, c'était ça. C'était trop bien. Une compétition, je retenais mon souffle car j'avais peur pour les personnes qui avaient des heures à mettre tous les dominos, et des fois il suffit qu'un domino soit mal placé et tout s'arrête. Mais ça s'arrêtait des fois, hein. C'était genre, tu voyais dans le regard, ils étaient stressés, c'était là, oh, il faut pas que ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtait, ils étaient là, oh non, j'ai les JO du domino. C'était super beau, Domino Days, le temps qu'il devait passer à tout installer par rapport au temps que ça met à tomber. Mais de ouf, je vais aller mater un animé, bonne soirée, à bientôt. Des bisous, oui, des bisous, merci d'être passé, des bisous à toi. Un retour cet hiver pour l'émission culte. Tu déconnes, Noéb, jure. C'est tellement cool. Selon les informations, c'est donc sur M6, 20 ans après sa première diffusion. What ? C'était en 2000 ! Oh, je suis trop hypée ! C'était en 2000 sur M6 ! Je suis grave hypée. Je suis... S'ils font ça, ça va être trop bien. C'est quand, Noël ? C'est quand ? Tu live quand ? Coco, je... Comment tu veux qu'on t'appelle ? Corentin ou Coco ? Ou Coco-Rentin, hein, comme tu veux. Coco Corentin en plus. Je t'invite, si tu veux, à rejoindre le Discord pour avoir les plannings de stream. Le prochain stream, là, c'est vendredi. Sur. On fait du Spirate, on fait du Sea of Thieves. Coco, ça marche. Attendez, il va me passer juste au-dessus. That's the moment. Dans l'eau. Ah non. Ballon, oui, j'ai. Robe magique. Waouh!
Du coup, j'ai envie de placer... Attendez, je vois que dalle. As usually. As usual, plutôt. Corde. Ah, en vrai, c'est quoi, s'en débarrasser. Boum. Parce que une corde, ça va, c'est joli. Mais plein, j'aime pas. Ici. Petit gérium. Pardon. On va mettre le soin en bois. Parce qu'on peut le mettre nulle part d'autre. Moment récolte des mauvaises herbes. Ah, courage. On va mettre des patterns. Noé, il est à fond, il cherche la date, là. Oh, en vrai, vous savez quoi? Est-ce qu'on a le droit de diffuser des émissions? On se le regarde en stream. Si ça passe un soir, on se fait un stream culture. Comme ça, on regarde tout ça ensemble. Mais oui, de ouf, c'est un article de jeu, il n'y a pas de date. On a les mêmes références, ça me fait trop rire. Bah, je sais pas quel âge tu as, Karine, mais je pense qu'on est, on est de la même génération, un peu. Un peu tous, là. Oh, en vrai, ça vous dit si jamais... Un soir, si relance Domino Days, venez, on se fait des lives Domino Days. Oui, ça va être trop bien. Avant, on regarde ensemble. Oh, ok, vous m'avez hypé. Vous avez des petits challenges à faire aussi, un truc chronométré. Ouais, de ouf. Tu peux aussi la rediff, tu pourras pas la mettre en entier. Bah, c'est pas grave, au pire, on mettra pas la rediff sur ces épisodes-là. Genre, ça sera The Live, vous voyez, grave. Ok, on fait ça. Je vais regarder Lucifer. Bye. Ça marche, Luffy. Bonne série à toi, des bisous. Des bisous, des bisous. Les meilleurs moments et les fails. De ouf. Oh là là, je suis trop contente. J'espère juste qu'ils vont vraiment le remettre. Hein. Vous voyez que c'est pas genre... ils nous hype et en fait, ils font pas. Parce qu'M6, des fois, c'est des pros pour ça. Hein. Enfin, après, moi, je regarde plus la télé, en vrai, donc je peux pas trop dire, mais en vrai, je suis grave hypée. Oh non, je peux plus passer. C'est terminé. Ah ben, on va appeler notre copain... Est-ce qu'on peut mettre des fleurs là? Nickel. Bon bah c'est au moins ça. Est-ce qu'on peut monter par... Ah non, on peut absolument rien faire. Ok, c'est bon. I am débloqué. De ce que j'ai lu, il prévoit de relancer en hiver 2021. Hiver 2021, c'est si loin. Je serai là, ça marche les filles. Bah au pire, c'est pas grave, ça sera prévu. Allez, on fait le planning pour l'année prochaine. Par contre, non, je suis vraiment coincée en fait. Je suis en train de me rendre compte que c'était pas une blague. En vrai, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Pas de panique. Tintin. Juste pour la musique, je l'appelle. C'est dans longtemps. Mais on s'est hypé. Ça va être long. C'est pas grave, il y aura du Animal Crossing en attendant. Je bloque ma soirée. Allez, synchronisons nos montres. Oh. Ça serait si bien en vrai. Trop bien. Oh, je suis trop contente. Je vous jure, ça me fait un petit moment de nostalgie, oui. Oh, ça a 20 ans, ça rajeunit personne. Excusez-moi. Oh, il me fait peur à chaque fois. Geronimo. Ça passe vite, vous savez, ça passe si vite un an. La musique de Wild World avec la taupe qui engueule que tu as pas sauvegardé, c'est ça. Voilà, bon bah ça, ce petit coin là-haut là, il me plaît bien. Attendez, on va regarder ce que ça donne d'ici. Ah ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup. Ah non, il faut un truc là. Ah mais là on peut monter, donc il faudra une lampe jacinthe. Mais pour l'instant, j'ai pas le craft. Mais on va foutre un peu plus de lampe jacinthe. C'est si joli. Donc on verra, ça rajoutera un peu de lumière. Il manque peut-être une lampe champi dans le coin. Au pire on va la mettre. On va voir, attendez. C'est vrai, on dirait un an, ça passe si vite. Quel est ton perso préféré de cet opus? Bah, moi, c'est Abraham, hein, mon personnage préféré là pour l'instant. Abrachou, es mi amor. Attendez, par contre, qu'est-ce qu'on fait ici en vrai? Je ne sais pas. Est-ce qu'on. Il faut que je mette des clôtures là-haut. Attendez, du coup ici, une lampe champi il faut aussi. Ah, j'ai pas mis ma pile de citrouille. Ah bah oui, mais j'ai mis mon... Ah. Voilà, on la met là. Attendez, est-ce qu'on pourrait la mettre? Peut-être ici pour le coup. Je vais y aller à plus. Merci Aka, merci beaucoup Aka pour tes cheers. Merci beaucoup. Des bisous Aka, bonne soirée à toi.
Des bisous. Perso itinérant, cachou. Ah, itinérant. Céleste. itinérant, je sais pas. Je sais pas. Ah, j'aime bien Blair. Blaise, pardon. À chaque fois, je dis Blair. J'aime bien Blaise. Des bisous à K, merci d'être passé. Et n'hésitez pas à passer sur la petite chaîne d'AK d'ailleurs, si vous voulez découvrir des nouveaux streamers, n'hésitez pas à passer sur la chaîne d'AK, il est adorable, vous passerez un très bon moment. Pile de citrouille placée. Oh my god. Merci Scratch pour le raid, bienvenue tout le monde. On est prêt. Bonsoir Pepperoni, bonsoir Julie, bonsoir Wizbot, bonsoir Lane, Neko, bonsoir Luma, Louise et Scratch. Mathieu, comment allez-vous? Ah, la source. Comment ça va? Merci Nonos pour le follow. Merci, bienvenue à toi. Parmi les feufeuilles, bonsoir Pingouin, comment ça va? Penguin, comment ça va? Comment ça s'est passé sur le stream de Scratch? C'est sur du SNH, hein, j'ai vu tout à l'heure. Je suis passée en somsum. Pour les 3 étoiles, il faut 7 ou 8 habitants déjà. Il faut les 10, je crois, non? Je ne sais plus, Michaela. Ça va, merci et toi, ça va. Asana, je puis Fall Guys. Ah, d'accord, je pensais à Follow, mais non. Il n'y a pas de soucis, Nonos, ne t'inquiète pas. J'étais déjà à Beau. Comment ça, j'étais déjà à Beau? Qu'est-ce que tu me racontes, Ragdub? Alors, on est prêt pour quoi, Cachou? Eh ben, écoutez, j'ai rasé un petit morceau d'île. Lundi ou dimanche, je ne sais plus. Et du coup, je refais la déco de ce petit coin. Donc, on a fait tout ça, là. Voilà. On a fait ça. D'ailleurs, il manque peut-être une... Ah bah non, il y a un arbre. Donc, voilà, on est en train de faire de la déco. Bonsoir, Renard. Je sais plus si je t'ai dit bonsoir, si je t'ai vu. Il faut les 10. Ah, il faut les 10. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue le raid. Personne donne la même réponse, j'avoue. Synchronisez-vous le chat, hein. Synchronisez-vous. Merci beaucoup pour le raid. Scratch, il faut que je te fasse une petite commande aussi. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance sur tes streams, c'est très chill. On n'est pas prêt pour quoi? C'est très joli, merci. Pepperoni. Voilà, on sait toujours pas où on met le... En vrai, est-ce qu'on mettrait pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas où on va mettre le camping, en vrai, c'est une... C'est horrible. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est mes clôtures cordes. En vrai je suis un peu indécise. Ah oui, je voulais mettre des clôtures là où je monte. Mais de rien, Scratch. Attendez. Du coup. Ah ouais, je voulais faire un truc avec un banc. Est-ce que ça passe? Je vais me retrouver coincée comme une andouille. Oh, super. Voilà, super. T'as réveillé les instants de Scratch, fais attention. Comment ça? Coucou Raph, comment ça va? Sinon tu fais un camping sur la plage. Bah il y a déjà, je vais regarder Renard, mais il y a déjà Épicure sur la... Bah j'ai eu du mal, Épicure. Il y a déjà Épicure sur la plage, faut que je vois. Mais oui, pourquoi pas. À quel moment en fait tu veux me le placer mon bambuche? Il faut pas toute la map là. Arrête un peu hein. Je vais te goumer. Mets du pattern. Vas-y, fais ton place. Mets-toi sur la citrouille orange. Ni. Quoi? Et bonsoir Titan, comment ça va? What the fuck, Pepperoni? Qu'est-ce que tu racontes, Pepperoni? Attendez, j'espère que j'ai pas raté vos petits messages. Il y a pareil, faut bien que je dise une connerie à sa place. Ah d'accord. Cachou, ne t'inquiète pas, il dit des bêtises. Ça marche, Julie, merci. Plux toujours en train de zoner. Le gars, il a pas compris. Non, mais c'est son coin, en fait. C'est-à-dire que j'ai refait le coin de Pollux, finalement. Ça va et toi, je laisse live en fond. Ça marche, Titan, pas de soucis. Ça va très très bien, je te remercie. Oh, au secours, je sais pas quoi faire. Grille de prison. Pot de lait et de sucre. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Soit en métal, épouvantail d'Halloween. Non. Est-ce que je mettrais pas...
Je viens de retirer toutes les mauvaises herbes de ma partie accessible de mon île. GG, Michaela. GG à toi. Et ici, un petit géranium. Soit en métal. Moi, ça va. Par contre, là, ça va pas. Il va me ramasser la citrouille. Là, il faut que je mette un cruc. On va mettre un pattern, on va mettre un champi. Mais c'est pas cela que je veux mettre. C'est pas grave, au pire... Merde, je voulais faire un truc mais j'ai pas réussi. Ouais, je peux monter par là. Comment ça? Attends, tu peux là? Oui. Jésus, zipper. Remets la pelle. Placé. Ringé. Noé me dit que t'as dû laisser sur mon île. Me dit que j'ai dû laisser aller sur mon île avec toutes mes mauvaises herbes. Bah, tu reviendras plus jamais sur mon île, Noé, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ceci? Non! Pardon. Il y a de la neige partout aujourd'hui sur mon île, ça rend super bien. Ah, mais t'as tété, Scratch. J'ai pas mon nom original, j'ai pas de nom original pour mon île. Bah t'as mis quoi, Michaela? Ah non, bah oui, t'as pas trouvé encore. Bah je sais pas. C'est, t'as un thème, t'as quelque chose, est-ce que t'as une idée de thème ou un truc ou pas du tout? Pourquoi j'ai le disjoncteur? En vrai je comprends pas. Coucou Julia, comment ça va? J'envoie du love à Julia. Ah non, sur la mienne. J'ai dû lever les pieds en sortant de l'aéroport. Bah toujours. J'ai juste 3 jours de plus donc ça va arriver soon. Ah oui, ça marche, Scratch. Ça va très bien, Dame Julia. On a tout pété sur l'île. Ah, par contre, si je... Ouais, donc là, non. Je peux pas mettre ma clôture. Ah, ça n'a pas pu passer. Noeb, ça c'est pour toi. Les mauvaises herbes. T'étais où, là? PTDR, t'es qui? oui, j'ai suivi ça dès long, ma poule. Ah, ça marche. Ça s'est bien passé, l'atelier boule de Noël avec le petit dresseur. Titi. J'ai fait un thème ferme forestière et déjà certains habitants ont un rôle. Créer un genre d'histoire. C'est trop bien, ça, Miss Marvel, de faire du RP sur le jeu. Il y en a qui marient les habitants, il y en a qui font des petits couples, il y en a qui font qui les mettent fleuristes. C'est trop bien. Pas de thème, je pensais en mode Heaven ou Neoma. Merci beaucoup Birdou pour ton follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Moi je suis plus beurre salé, parce que je suis pas loin de la Bretagne, mais bienvenue Birdou. Néo nouveau, mes initiales de Michaela, la première de mon nom de famille, t'en penses quoi? Neoma, j'aime beaucoup. Neoma, c'est très joli. Bah j'étais un peu en galère, je sais pas. Je sais pas trop en galère, perso. Ça s'est bien passé, il était occupé bien longtemps. Pas bien longtemps, il a pas été occupé bien longtemps, mais ça va. Ah, je veux me marier à Abraham et Nana, c'est trop bien de faire ça. Bien, plein de cœur. C'est beau, je t'aime, l'eau. Voilà, beurre salé, la vie, vive la Bretagne. Bah ouais. À quelle heure la fin du live? Vers quelle heure la fin du live? Quelle heure il est? 22h? Vers 23h, 23h30. Maximum, Birdou. Je fais des pompons en ce moment. C'est trop bien ça, les pompons. Je voulais se passer une bonne soirée. Bon stream, les viewers et cachou. Des bisous, Julie. Merci d'être passée. Des bisous à toi. Va pour nous, Emma. Merci à toi pour ton soutien. Bah, de rien. Alors, attendez. Je vous ai tous lus. Maintenant. Je vais aller chercher. J'avais d'autres meubles, mais je les ai rangés. Attendez, ça ressemble à quoi? Ça m'intrigue. Oh, c'est mignon. Mettre ça ici. Ah non, arrêtez de jouer à cache-cache. Coucou Dame Leslie, comment ça va? Ici, je vais aller chercher mes items. Je les ai rangés, mais je vais aller les chercher. No panique. Et on va voir ce qu'on fait du... ce qu'on fait du camping. On va faire un tour à la maison, donc vous savez quoi? On va faire un tour de rangement. Ouais, il y a moyen que je prenne tout.
Juste triste, j'étais chez Scratch AFK pendant que je mangeais. Il t'arrête, j'ai pas été redirigée. Oh non, t'étais toute perdue, dame Leslie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus rien? Ne t'inquiète pas, tu as retrouvé ton petit chemin. J'ai été réfrigérée. Réfrigérée. Oh là là, Noé va déclencher le chat, s'exprime sans la lettre E. Le chat, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la chaîne, il y a une récompense de points de chaîne qui s'appelle le chat s'exprime sans la lettre E. Vous avez jusqu'à 22h15 où vous n'avez pas le droit d'utiliser la lettre E dans le chat. Bon chance. Ça va bien toi? Ça va très très bien, merci Leslie. On est en train de faire de la déco, je suis coincée. Non, c'est bon. Je vais te montrer ce que j'ai fait, je vais juste faire un tour à la maison histoire de vider mes popoches et de récupérer des trucs. D'accord, ah bah super, Noab toujours. C'est regrettable. De la déco, tout à fait Leslie, je vais te montrer. Ah bah d'accord, on adore. Moi je dis, Effie, elle a pas le meilleur pseudo. Ah bah là non. J'y vais, bisous, des bisous Ragdub, des bisous. Merci d'être passé, des bisous à toi. Ça dégage, ça dégage. Faut dormir, voilà ma proposition. De toute façon, personne n'aime cette lettre. Moi, j'adore l'idée. Mais j'adore l'idée. Père du Julia. Ah oui, t'as enlevé les E à Effie, mais à elle, tu les as laissés. Mais Julia, mais comment c'est possible? Il y a trop de mots avec E dans la langue française. Ah bah oui. Bah moi, j'aime. Ah bah c'est un défi, les enfants. Moi j'étais concentrée le temps du pseudo. Je comprends. Alors disjoncteur, ça on s'en fout. On s'en fout complètement. Clôture corde, je vais les garder parce que du coup je trouve ça sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Ça par contre non, ça dégage. Ça on va entreposer aussi. Les petites citrouilles je les garde au cas où. Et du coup il faut que je récupère du matériel. En vrai, les statues, j'ai envie de les placer, mais je trouve que ça va pas sur mon île. Les petites tentes, il faut que je... Ah, mais il faut que j'en fasse un truc avec ça. Pour le camping. Déco intérieur ou extérieur? Extérieur, Leslie. On est perdu. Ah, c'est trop compliqué. Mais non, vous en sortez très très bien. Je trouve ça génial. Mais vous vous en sortez très très bien. À continuer. Moi, je cherche des trucs pour le coin de Épicure au-dessus, là, et... Ah, il me faut un lampadaire. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait pour le camping. Genre ça peut être sympa dans le camping aussi. J'ai un brasero, mais qui est là-bas, je crois, ou dans mes poches. Cherche quoi? Ah, ça. En vrai, les petits trucs comme ça... Ah non, ça va pas être sympa. Attendez. Au pire, on va crafter des petits tabourets là-bas. Prendre une arche-pierre au cas où. Let's go. On y va avec ça. Bonsoir, comment ça va? Et coucou, Sir Benjos. Alors attention, Sir Benjos, tu arrives au moment où le chat s'exprime sans la lettre E juste pendant encore 2 minutes. Donc attention. Perdu Julia. Tellement de lettres interdites. Pas trop fort, madame. Attendez, il existe un livre sans cette lettre E. Ouais. Mais, je pense que je suis... Attendez, au secours, je remonte vos messages, attendez. Il y a que moi qui s'est planté. incroyable. Alors, Lily... Lily. Leslie, c'est sans le E, hein, pas sans le L. je pense que je suis pas la seule à oublier que Bouloche est un petit gars. Mais Michaela, t'as oublié le jeu? Et du coup, comment vas-tu, Sir Benjos? Attendez, toi aussi. Au secours, vous êtes en train de vous dire « Salut, qui a perdu, dis-moi, c'est toi !» C'est vrai que c'est une bonne idée, ce petit challenge. Ah, vous avez vu ça? Il y a aussi le jeu du ni oui ni non. N'hésitez pas à aller voir hein, les récompenses de points de chaîne. On dirait un smoothie plus qu'un jus de cerise. Parce que what a nook. La pire. Elle a dit quoi, Julia? Oui, la disparition. Il s'appelle comme ça, le livre? Merci beaucoup Emeline pour ton follow, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. C'est pas naturel. Je trouvais pas le titre. Ah d'accord. Le chat. Oh là là, j'ai pas compris Effie. C'est pas simple. On aime galérer. Je suis perdue sans cette lettre.
On fait la combo. Allez, encore une minute, le chat. J'en suis sûre, certains mots... Il n'y a pas tout, je suis un boulet. Oh là là, au secours. Oui, la disparition de Georges Percé. De Greg Percé. Ni oui ni non, c'est horrible, je perds tout le temps. Ah bah moi, je suis nulle aussi. Hein. Le chat a cassé. Allez, c'est bon, le chat, c'est ok. Ding, 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 ding. GG à vous. Ça va bien à un enfer sans lettre E. Vous avez réussi de ouf. Oh putain, les filles. Ding, 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 ding. Alors, attention. Jusqu'à 20, c'est à mon tour de jouer au jeu. Voilà, je vais le dire pour le titre. Ni oui ni non. Donc, allez-y, posez-moi des questions. Et je dois répondre sans utiliser les mots interdits. C'est aussi compliqué. Chacun son tour. Très bien, Leslie, et toi ? Regarde, Leslie. On a refait toute cette zone. Voilà, voilà. J'attends pour le jeu du prénom. Ça marche, Noctalie. Faudrait plutôt faire genre naturel, parce que bon, c'est pas trop facile sinon. C'est trop facile. Comment ça, Julia ? Aimes-tu ton métier ? Carrément, Karine. Leslie, c'est un piège. Abraham et Pipou. Abraham, c'est le plus beau. J'ai passé 3 heures à faire un TP de chimie pour au final n'avoir que la moitié, j'ai abandonné JPP. Courage, Raph. Courage à tous les étudiants. T'as tout reconstruit aujourd'hui, j'ai vu juste que t'avais rasé. Ouais, j'ai reconstruit aujourd'hui. Alors non. Oh putain, j'ai perdu. En fait, c'est si naturel de dire oui et non. J'ai perdu, hein, mais c'est horrible. Je vous jure que c'est si dur. Hein. En effet, j'aime le chocolat. Ouais, je suis trop forte. Et non. Très sympathique ton petit village, dis-moi. Merci beaucoup, Drax. Et Vlan, hein, mais vous êtes les spies. Vous êtes pas gentils avec moi. Perdu. Mais oui, du coup, bah voilà, maintenant je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non. Voilà. Du coup, j'avais déjà fait le terraforming un petit peu, genre j'avais fait les falaises à droite et à gauche, et du coup, on a habillé. Dans la même phrase, vous avez vu, je suis trop forte. Ouais, alors non. En même temps, le jeu est si dur. Il est si dur. Il est si dur. En plus, vous mettez des oui et des non dans le chat. Vous essayez de me piéger. Vous êtes les spires. Ça a duré 2 minutes. Bah, c'est déjà bien. D'habitude, ça dure 30 secondes. Moi, j'ai envie de dire GG Cachou. Hein. Voilà. C'est pas sympa. GG le chat. Nous, te piéger ? Non, ni. Jamais. qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, mettre les meubles là-haut. GG Cachou. Merci, dame Julia. T'as fait les étirements que je t'ai mis ? Ah, je les ai pas vus, Michaela. Merci de me le rappeler. Je les fais tout de suite. Perso, quand je dis jeu, je ne parle plus de technique de lâche. Ouais, mais non, le but du jeu, c'est que je parle quand même. Pour une fois, c'est pas à cause d'une personne qui arrive en plein milieu du jeu et qui te déconcentre. C'est vrai, pas cause. C'est vrai. Tu veux dire que Pupita, c'est la plus gentille ? Oh non, c'est pas ça. Si ! Ça va, Titang ? Je sais plus si je t'ai posé la question. Je pense que oui. C'est pour ton bien. Mais je sais, je sais. Merci. Merci beaucoup, Michaela. Alors, du coup, ici... ça va être shorty. On peut le mettre là, finalement. Non. Alors, attendez. Il faut juste que canapé long trompe place. Tac. Ici même. Ensuite... On peut peut-être mettre le petit bras zéro inox, ça va faire un petit truc de feu au-dessus. Là. Comment ça ? Ah oui, une mauvaise note. J'avais pas vu. Le moment de la petite facture de chez Nuki. Courage. Mickey est là. Tac. Que peut-on mettre ici ? Est-ce que j'ai non plus. Oui. Ah. Oh non, ça va être un enfer. Mais le bien dès le début, s'il te plaît. Oh non, mais arrêtez de jouer à cache-cache. Donc un truc comme ça. Il y a tellement de drames dans ma vie, putain. Comment ça? Attends, j'ai l'impression d'être pas venue depuis si longtemps. Bah oui, Dame Julia. Ah, on envoie du love à Dame Julia. Je vais vous laisser. Je vais essayer d'aller m'endormir comme une loutre. Belle soirée à vous et bon stream. Bisous, Karine. Moi, j'envoie du love. J'envoie une vague de love. Somme dérisoire, j'adore ces termes. Non, mais pour Tom Nook, tout est dérisoire. 2 millions de clochettes. Nous sommes dérisoires. Je vous écoute, joue au jeu. J'ai pas eu de ni du oui ni du non. C'était pour te dire GG d'avoir un merci à Titang. Tu m'avais manqué, moi. Il m'est arrivé tellement de trucs chiants et difficiles et tout. Bah, je sais, j'ai suivi un petit peu tes petites aventures. Enfin,
Même si je connais pas toutes les histoires d'âme Julia, en tout cas plein de courage et de love pour toi. Des bisous en tout cas, Karine. Je suis toujours sur Discord quand même. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on met là? Est-ce qu'on a des trucs? Je pense pas. Ah, vous savez ce que j'ai oublié? C'est les petits champignons. Donc là, on va voir. Est-ce que j'ai toujours mon coussin chrysanthème? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Oh ben, qu'est-ce que j'en ai fait? En vrai, j'en ai fait quoi? Je viens de donner à Clara un chapeau glace italien, on dirait elle a de la chantilly ou une crotte de pigeon sur la tête. Assez drôle ça, Astra. Si on payait des maïs nook, ça serait plus simple. Non, je sais pas. Attrape Julia. Oh merci, entre les deux oreilles. C'est trop rigolo ça, Astra. Ici, petit gérium. Je vais la faire à chaque fois. J'ai plus de fleurs. Ce sont mes fleurs. Je vais les chercher. Je pense... Attendez. La violence, assez drôle ça, Astra. Bah comment ça? Bah oui, c'est drôle. Moi j'aime. Petite crotte. Elle a dit crotte. Pardon. Non, ça on s'en fout. Prends un comme ça. Je pense donc je suis... Oh non! Ça c'est pas gentil. Hein. J'avais pas... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai placé? J'avais un coussin chrysanthème. Oh non, je l'ai rangé comme une andouille. Non mais va te coucher, t'es infernal, Pollux. Vous savez quoi? On va retourner à la maison. Oh, Épicure chou. Moi, tu regardes les étoiles. Il est si pipou. Je vais y aller, je vais lire puis dodo. Bonne soirée les petits feuillages. Merci Kachou pour les streams, bonne fin de stream. Et puis à vendredi, des bisous Lucille. Des bisous à toi, passe une bonne nuit. Et je te dis à vendredi, des bisous. Qui a crié derrière toi? Ah bah c'est mon copain qui joue aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, je sais pas, je vis pas dans une maison hantée. Pas de panique. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. C'est quoi ça? C'est pas Dora l'exploratrice? Oh! Tintin! J'ai mon chéri qui m'a offert pour Noël un stream deck. Je l'ai depuis hier, je joue avec. C'est trop bien. C'est pour ça que là j'envoie, vous voyez, j'envoie les vagues de love, j'ai pu écrire love. En fait j'ai fait des petits boutons qui me permettent par exemple d'envoyer le pouce. Voilà, et c'est plutôt chouette, et je vais mettre des sons. Donc si vous avez des musiques, genre j'ai vu sur les streams de So, et ça m'a fait trop rire, il faut que je lui demande si j'ai le droit de faire la même chose, mais elle a mis pendant les écrans de chargement une musique d'ascenseur, c'est à mourir de rire, j'ai explosé de rire quand elle l'a fait, c'était si drôle, et du coup je vais lui demander si je peux utiliser cette petite sonnerie, et si vous avez des musiques que vous aimeriez, pareil avec des commandes, les déclencher, genre le A, de notre cher ami merde comment il s'appelle, notre ami Colanta, Denis Brognard, voilà ce genre de choses. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas sur le Discord, faut que je fasse une commande Discord, mais je l'ai pas encore mis sur mon petit truc. Monsieur Brognard, Denis de son prénom, merci. Du coup voilà, le A, donc voilà, il faut que je demande, mais alors la musique d'ascenseur, franchement regardez là par exemple, je peux vous envoyer où est-ce que je l'ai mis, là, la petite chaîne de So-chan. Donc n'hésitez pas. Et si vous regardez la rediffusion du live, sincèrement, c'est hyper drôle. En plus, elle regarde la caméra pendant la petite musique. Moi, j'ai explosé de rire. Il faut que tu enregistres ta voix pour faire des petites musiques rigolotes. Ah ouais, aussi, on pourrait faire... Genre le mot au secours, je pourrais l'enregistrer. C'est des gens qui ont leur cadeau de Noël en divisant de ça me tue. Alors, Julia... On va pas fêter Noël ensemble, du coup on va s'offrir nos cadeaux, on s'offre nos cadeaux quand on les reçoit. Voilà. C'est si triste. Bon, mon cadeau il est au calme dans son carton dans un coin de mon salon. Bah en vrai je vais pas streamer le jour de Noël, donc il m'a dit bah il est dans sa boîte, je vais pas te le mettre sous le nez. Donc voilà, il m'a dit tu le veux maintenant ou tu le veux à Noël? Bah, j'ai dit maintenant. Vous l'entendez en plus, il est en train de dire des conneries. Mais voilà. Du coup, je suis contente. Donc voilà, il faut que j'enregistre des petits sons. Ça va être si drôle.
Genre, rien que mon au secours, on peut le déclencher avec une commande, vous voyez? T'étais trop pressée. Elle a toujours une bonne excuse pour les cadeaux en avance. Oui. Toujours. Toujours. Bah, comme dame Néfi, il y a qui c'est son anniversaire tous les jours. Hein. Vous êtes choqués? Mais c'est important pour le stream. Mais oui, c'est important pour le stream. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Genre là, je peux vous renvoyer la commande pour le concours Animal Crossing. Voilà, c'est fait. J'appuie sur des petits boutons. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? En plus, c'est trop bien. Attendez, je peux vous la montrer? Ça ressemble à ça. C'est petit, hein? Et du coup, j'ai tous mes petits boutons. Vous voyez? Au secours. Voilà, j'ai tous mes petits boutons. Donc, je peux envoyer les pouces. Je peux envoyer tout plein de choses. Je peux couper mon son. Donc, c'est plus facile que d'aller. Je peux changer mes scènes et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis d'accord. Moi, je parlais du téléphone. Ah oui, mon téléphone. Oui, mais ça, c'est parce que... Oui, d'accord. Oui, mais c'est parce que c'était Black Friday, ça. J'ai toujours une excuse, Noé. Il faut que tu le saches. Pour ça, always. Hâte d'avoir les sons. Faut que je le fasse. En vrai, j'ai commencé à faire. C'est hyper bien. C'est hyper... C'est infini, en fait, ce qu'on peut faire avec ce truc-là. Et du coup, j'ai regardé pour les sons. J'ai regardé pour les... vous avez les commandes, mais maintenant, moi, je suis obligée de les écrire. Je peux les envoyer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je peux faire apparaître des images, les masquer. Je peux mute mon micro, ma caméra. C'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Je peux vous envoyer du love en masse. Allez, hop. C'est cadeau. Et coucou Neswil, comment ça va? Hâte d'avoir les sons. Donc on va faire ça. Il faut juste que je demande à Dame Sochan si je peux utiliser la musique d'ascenseur. Je sais pas si je vais investir là-dedans pour mes streams. Je m'en sors bien sans, mais ça apporte quelque chose. Mais en fait, Scratch, avant, je me disais, ouais, non, ça sert à... Faut que je me fasse une pelle. Ça sert à rien. J'en ai pas l'utilité. Tu vois, en mode, ouais, je fais à la souris. Mais en fait, c'est si pratique parce que ma souris, je ne sais pas trop où elle est finalement. Et du coup, genre, chercher mes scènes, chercher mes sources, quand je veux mettre le pouce, je sais pas où je suis. Et du coup, c'est vachement plus simple que d'appuyer sur un bouton. Je vous dis, bonne fin de live, à plus tard. Des bisous, hello. Des bisous. Bonne soirée, merci d'être passé. Des bisous à toi. Ça va très bien, Neswil. Mon dieu, crafter au début c'est lent. T'as vu ça, Michaela? Au travail, on veut une pelle. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Nawel. En vrai, c'est pratique. Mais du coup, le truc des sons, de ouf. Faut que je le fasse. Comment ça? Oh non, quel enfer! Allez, du bois dur. Et là, les abeilles. Ah non, j'étais genre zéro bois dur, quoi. Alors attendez. Oh, je vais aller à la maison en vrai. Oh non, ça va être trop chiant. Allez, let's go. On visite l'île. Ah non, ça c'est la cachette des filles. Donc voilà, les petits sons. Genre quand tu auras les anniversaires aussi. Je pourrais... Oh, Effie, je viens de voir une lumière éteinte là. Sur ses toits. Non, mais non. Voilà. On passe par là du coup. Oh, il pêche dans son petit étang. Il est si pipou. Voilà, pour les anniversaires, on pourra mettre ça. Le badam, on pourra le mettre aussi. Ça va être trop bien. Hein. Mais t'as clairement tout pété, j'avais pas vu. Encore en fait. Mais oui, j'ai tout pété, Pacouze. Tout pété. Un peu comme tu pensais, mais avant, je me disais que c'était plus confortable. Je me penchais sur le sujet. Attends, je vois, je pense un peu comme tu pensais avant. Si tu me dis que c'est plus confortable, je vais me pencher sur le sujet. C'est... En vrai, avant, jusqu'à me rendre compte que je... En fait, Scratch, jusqu'à me rendre compte que j'allais vraiment tout le temps, même pour le clavier, quand je veux envoyer des commandes ou quoi, faut que je les écrive. Là, j'ai un bouton à appuyer et hop, j'ai tout. Comme ça, j'ai même toutes mes commandes, tous mes boutons. Je vois en fait chaque commande, donc j'oublie pas. Je peux pas oublier. Et c'est infini ce que tu peux faire. Du coup, c'est trop bien. Ça rajoute un petit truc. C'est pas obligatoire, ça fait pas tout, mais ça change un truc. Mais spoil pas ma cachette là, wesh. Elle a dit où était ta cachette. Mais toujours ma faute. Elle l'a déjà fait avant. Est-ce que tu avais retenu? Ah oui, vous êtes... Je voulais quoi? Du bois dur. Du bois dur. Donc on prend ça. Et il me fallait quoi d'autre? Non, je les ai pris, les champignons. On est ok là-dessus. Hein. On pourrait peut-être mettre un truc genre... Oh, j'ai pas le cerf. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Si. Non.
Non, je l'ai pas. Go. Let's go. Merci, merci pour ton ressorti. Je vais regarder ça. Y a pas de problème, Scratch. Avec plaisir. C'est un coup, hein. Moi, c'est mon cadeau de Noël. Mais après, il y a plusieurs modèles. Là, c'est le 15 touches. Il y a le 22, je crois. Et le 6. Et maintenant, t'as retenu. Et fille, arrête. Il suffit. Du coup, alors attendez. Hop. Oui, pas cause. T'avais pas vu. Voilà, c'est quand même mieux maintenant. Moi, je préfère. Ça m'inspire un peu plus. Du coup, une pelle. Attendez, t'es quand même là pour une pelle à la base. Ça marche, Julia. C'est gravé dans ma mémoire. Merci, Pacouze. À jamais, dame et fille. J'ai fait un screenshot dans ma tête. Ok. Allez, go. On finit ce petit coin là. Le camping, je sais pas. Je pense que je vais mûrir la réflexion sur ce truc là parce que pour l'instant, je sais pas. Je suis pas inspirée. Donc, le laisser sur la plage, je sais pas. J'ai déjà beaucoup de personnes en fait sur la plage. Je me dis, y a plus rien sur l'île. Donc les petits champis, je vais les mettre là où je pensais les mettre déjà. Tac 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 tac, montons. Hop 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 hop. Mais monte. Oh non, c'est un enfer, j'en ai marre. C'est chiant, plus de place dans les poches. Je voulais faire retirer un, voilà, surtout pour en manger. Lâcher. Ils sont trop pipou, eux. Ok. Ça, maintenant, on va les faire. Le coussin cri-cri. Oui. J'ai mis ça dans mes favoris, il me semble. Oh, faut des bûchettes aussi. Arrêtez. On personnalise tout de suite. À côté, il s'entend pas avec son casque. Oh non, arrêtez de changer. Eh oh, je vais le goûmer, hein. S'il continue à faire du bruit comme ça, ça va pas bien, c'est vraiment le sommeil. Donc arrêtez, je voulais le mettre où? Là-haut. Personne, ils ont un truc. J'ai déjà 2550 miles, ça va vite au début, au niveau des miles, et après c'est plus long. Ah bah oui. Bah le but c'est pas de faire trop galérer au début du jeu. Normalement tu peux t'en sortir. Les sacs de cachou, une grande histoire. Toujours une grande histoire. Oh, mais pff. C'est toujours blindé. Toujours blindax. Là va falloir faire un choix, mademoiselle. Oh non mais stop, c'est un enfer. Mets des fleurs quelque part, j'en sais rien, fais un truc. Fais un truc. C'est pas très pratique. Alors là, faut qu'il fasse des poches plus grandes. De ouf. C'est pas pratique ici. Mais en fait, c'est pas pour être pratique ici. C'est genre juste pour faire de la déco. Mais comment ça, y a pas assez de place? Y a jamais de place dans ce bordel. Oh non, mais il fait quelle taille ce truc? Il est pas si grand que ça quand même. Tu me dis pas que là, il passe pas? Je comprends pas. Voilà. Ah. Du coup, on va enlever ça. Coucou Reclema, comment ça va? Attendez, ça me saoule. C'est pour être joli, pas pratique. Exactement. Là, ça m'emmerde. Là, ça m'emmerde, ça veut pas se mettre comme je veux. Ça a mal se mettre. Attendez, comment vas-tu, Reclema? D'avoir en pierre? Non. Bantron? Non. Faut en terre cuite. Mais il est où? Ah là. Nickel. Est-ce que du coup on met genre avec peut-être une petite tasse ou un truc, une petite loupiote, un machin. Parce que là de toute façon on n'a rien à mettre dessus. Récupère ça. Du coup le coussin chrysanthème, bah écoutez, on va le garder pour autre part. On va mettre
On va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre là? La petite fiole. Tu n'arrives pas à passer, tu peux voir que c'est... Mais en fait, on va jamais monter trop là-haut, en fait, Noib. Ah là, je pourrais mettre un truc. Nickel. Avec peut-être une loupiote, un truc comme ça. Si seulement il y avait le mode déco comme la maison à l'intérieur ou à l'extérieur, ça serait tellement ouf, Scratch, en vrai. Je suis frustrée pour toi. Sir Benjos. Mon dieu, elle va jamais y arriver. Moi si. T'es le genre à te faufiler partout pour voir chaque détail, non? De ouf, pas cool. Ah non, Noeb. Ouais, Noeb, ouais. Bah, t'as vu sur son île. Là, il faut une lumière, une tasse de café, un truc. Et un petit géranium. Oh, vous savez ce qu'on peut faire? Ah, oh, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Attendez. Mettre le tapis. Ah ouais, mais attends. Pousse. Mets d'abord la pelouse. D'abord. Faisons les choses bien. Oh non, on a plus de place. Si. On peut le récupérer. Et juste là, un petit géranium. Ça va être bien. Ça va être très bien. Oh, faut que je me le re-regarde. En vrai, vous savez quoi? J'en avais déjà parlé, mais là, on va arriver au moment où ils vont repasser les Astérix et Obélix à la télé. Les dessins animés. Vous savez, à Noël, ils passent ça en général. Ça va être trop bien. Si on pouvait mettre des tapis dehors, ça serait bien. On va pas trop en demander à Nintendo. Non, mais oui. C'est pour ça que j'en mets un motif comme ça sur Benjo, tu vois. Venez, on fait des lettres recommandées à Nintendo. Allez! On fait une pétition, pas cool. Petit géranium. Il faut cette fleur dans le jeu. Géranium. De ouf. Ah, j'aime bien. Est-ce qu'on met le coussin genre comme ça? Non. Non, non, il faut un truc sur lequel on place quelque chose. Il faut juste que je retrouve le tabouret, voilà. Ça va être très bien. Oh oui, je l'ai aussi, si beau. J'aime trop ce petit tapis. La manière dont tu as dit ici un petit géranium, on aurait dit numéro bis dans le mission capable. Bah c'était ça, Michaela. C'est la référence. Tu l'as. Gardez. Écoute, ça va très bien, regarde. Je regarde beaucoup de gens plus talentueux que moi s'occuper de leur île. Reclé-moi. Alors attendez. Oh, on peut peut-être mettre des petits champis aussi ici. Ça peut être bien. En retirer un. Lâcher. Ils sont si beaux ces petits champis là. Les autres, je les trouve moches. Enfin, je trouve qu'ils se mettent mal. Ils s'intègrent mal. Il est fait au moins. Moins Miles. Comment ça, Michael? Ah, t'as remboursé. Et bah là, on fera une allée avec plein de statues. On l'appellera l'allée avec plein de statues. On est tous fans de monologue de l'assistante numéro 10. Non, mais ça, mais Michaela. Meilleur film du monde, putain, mais de ouf! De ouf! On l'appellera l'allée avec plein de statues. Pas content. Non, c'est quoi déjà? C'est pas content qui crie? Pas content, pas content, pas content, pas content. Itineris, je ne vous capte plus. Veuillez laisser un message après le bip. Je crois que c'est ça qu'elle dit. J'aime trop. Je m'appelle Itineris, j'écoute. Vous avez deux nouveaux messages. Allez, cannabis. Je le connais par cœur, le monologue de Tis. C'est vrai, Scratch, par cœur. J'ai perdu ma lentille. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai perdu ma lentille. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. J'aime trop. Ils vont repasser les films. En fait, Sir Benjos, moi, depuis que je suis petite, à Noël, en général, sur MTV, il repasse des vieux Astérix Obélix en dessin animé. Fan. C'est moi qui vais faire tout le palais. 3 mois. Pas de pierre, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Le meilleur avec les Jeux Olympiques. Bah, les Jeux Olympiques, je suis un peu moins fan, Michaela. Oh là là, je pense le connaître par cœur aussi. Non, mais franchement, il y a des... J'aime trop. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou... Mais j'aime trop. Il y a une seule punch... Il y a pas une seule punchline de ce film qui n'est pas mémorable. Mais let's go, mais de ouf. Dans 3 mois, jour pour jour, t'auras ton palais. Ce tombeau sera votre tombeau. J'aime beaucoup trop. Non, Obélix. J'ai tombé dedans quand t'étais petit. J'aime beaucoup trop, je suis trop fan. Merci Titi pour les beats. Merci beaucoup Titi, adorable. Des bisous sur ta truffe, comme dirait Damefi. J'aime beaucoup trop. J'aime trop aussi quand il est dans le... Vous savez, quand il y a les crocodiles. Il est le magno. Ils ont mangé le magno. C'était mon droit de demander de l'aide, tais-toi, tout de suite.
Il est moins bien les JO, mais il y a de bons moments quand même. Ouais. Bande de chacals, vous allez crever comme des chacals. Mais bon, je me disais, ça fait deux fois chacal. Bande de cafards, vous allez tous mourir comme des cafards. Oui, voilà, c'est ça. On dit des chacos. J'aime trop. Mais Jamel, il joue trop bien dans ce... Mais tous, en fait, ils jouent tous trop bien. Écoutez, je pense que cette petite zone, elle est bien. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. On va redescendre, on va faire autre chose. Tac. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? On le met où, le... C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça sait? Qu'est-ce que ça sait? Qu'est-ce que ça dire? Qu'est-ce que ça... Dans le même genre, j'ai rien. Bah bien, le crimier. Pierre, présent. Je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. Moi, j'aime trop ces films-là, moi, je suis fan. Avec la tour Montparnasse infernale, comme on disait tout à l'heure, moi, je les connais. Hein. Ce tombeau sera votre tombeau. Hein? Ça va être tout noir. Ta gueule. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Toujours ensemble, ces deux-là. Tu manges la mandarine aussi. Tu veux la peau? Bichneuf. J'adore. Le talent de Chabat, c'est ça. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, je dirais d'abord que ce sont des rencontres, des gens que j'ai rencontrés à un moment de ma vie, qui m'ont aidé. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle. Hein. Prends la barre. Go faire un biche volé. Oui, chef, j'aime trop. Je m'appelle Guy. Les têtes qu'ils font en plus. Trop bien ce film. En vrai, j'ai envie de regarder tellement. C'est beaucoup trop bien. Bonjour Guy. Waouh. Quand il dit son prénom. Je pense que c'est plutôt Pierre. Oui, c'est Pierre. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On va appeler cela un sandwich. À la fraise. Vous connaissez ma femme? Oui, chef. Elle est belle. J'aime trop. Je suis le meurtrier. Bah, ça marche plus. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Bon, attendez. Parce que du coup, on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Où est-ce qu'on met... Est-ce qu'on met le camping ici et on fait un truc, genre on s'arrange pour faire un truc? En vrai, je ne sais pas. Je pense que je vais pas le placer tout de suite. Je vais mûrir le truc comme je disais. Parce qu'en vrai, bon, en tout cas, ce petit coin me plaît vachement plus. Hein. Je vais appeler ça un crime. Ouais, c'est ça, Nesville. Un crime. Avec les tuches. On reste pas sur la tuche. Pour un tuche pur un. Oui, mais après les tuches, un peu moins fan. Au début, je voulais dire meurtre, mais non, ça sonnait pas bien. Ouais, c'est ça, Neswil. J'aime beaucoup trop ce film. Oh non, qu'est-ce qu'il y a, bichon? C'est vraiment très bizarre. Ça fait une tartine, j'ai pas pêché. Oh non. Ah, bonjour à tout le monde, j'espère qu'il aura rien arrivé de mal. Celui qui dit qu'il a fait, je lui offre un sandwich. À quoi le sandwich? À la fraise. J'aime trop. La grand-mère dans les tuches, elle me tue. Mais c'est pas elle qui boit de l'anise. De la Suze. Mamie Suze. C'est pas Mamie Suze. Feufeuille. Oui, c'est lui, Feufeuille. Je suis devant l'ordi, putain. Je suis d'ailleurs devant l'ordi. Il est trop mignon. La scène à Carrefour aussi. La scène à Carrefour? Attends. Dans quoi? Ah, dans les tuches? C'est Mamie Suze. Ouais, c'est ça, non? Dans R. Ah, je me souviens pas. C'est à la toute fin du film. Ah oui! Attendez, mais oui, ça. Attendez, qu'est-ce qui se passe déjà? Attendez. Non, je l'ai pas la scène dans Carrefour. Quand il bat trip. Tu réussis, je te couvre d'or. Et sinon, je t'envoie au crocodile. Vraiment, il tombe dans un Carrefour. Maman, il n'y a pas de Tahiti douche. Ah, mais oui! Il est habillé en poussin cette nuit de camouflage. Mais oui, ça y est, c'est vrai, je me souviens. Tahiti. Mais oui, putain, c'est trop mignon. Ah non, il veut quoi, Feufeuille? Une limande. Au secours. Quel enfer. Attendez. On a une place. Non, j'ai pas envie. Il n'y a jamais de poissaille. Il n'y a pas de poissade. Il est où le ministre des mathématiques? Le bébé qui fait sa gym. Oh, ils sont si beaux tous les deux. Attendez. Moi, il y a un autre film que je connais par cœur, c'était Nos Jours Heureux. On avait la cassette, pour vous dire. Hein. On avait la cassette avec mon frère. On l'a rongée. Genre, elle marchait plus.
Après, mes parents nous avaient acheté le DVD. Mais dans nos jours heureux, mon père, quand on faisait pas nos tâches, genre quand on faisait pas le, quand on faisait ni passer l'aspirateur, ni. Enfin, bref, il gueulait et on se sort les doigts du cul tout le temps. Vous connaissez pas juste de nom? Il est trop bien, nos jours heureux. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah oui, ça c'est quand elle s'énerve sur le gamin. Oh, et toi? Bah t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Il est trop bien. Merci Julien. Je vais bouffer des nouilles. Merci Julien. Mais t'as pris 3 mois. Ah non, c'est son 3e mois. Pendant 3 mois. Merci Julia. Des feuilles pour Julia. Merci Julia pour le resub. Pour le sub. Bah non, mais t'étais déjà sub, non? Tu sais ce que t'es? Bah t'es le roi des cons. J'aime trop. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Mais c'est trop ça. Tu le connais par cœur, Nesville. Je l'étais plus. Oh, merci Julia, t'es adorable. Je t'ai dit ma vie, elle faisait, tu sais quoi, va te faire foutre avec ton bonheur. Oh, merci Julia, c'est adorable. Je sais plus ce que je voulais faire. Bien sûr, j'étais animateur, fut un temps. Bah oui, je sais. Après, il est vraiment. Faut que je me le regarde. En vrai, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais j'aime trop. On voulait faire quoi? Attendez, wait. Une seconde. Temps pour enfants. On va aller vider nos poches et on va voir ce qu'on peut encore faire comme déco. C'est pareil, là, il faut décorer. Hein. Je sais pas ce que je veux faire encore. Je pense que je vais mettre des petits panneaux comme ça, des petits panels. Oh, morfeux. T'as vu celle tout cachou? Ouais, je l'ai vu. J'ai moins. J'ai. Je préfère double zéro à seul tout. je connais pas du tout ce film. C'est vrai, Julia, regarde-le. Si vous connaissez pas Nos Jours Heureux, vous allez. Franchement, il est génial. Vous allez pisser de rire. C'est un vieux film. Hein. Je go dodo, la bise, des bisous, Raph. Des bisous, Raph. Merci de passer des bisous à toi. Bonne nuit. Mon anneur de stream, c'est une scène de seul tout. Ah, mais oui! Oui, quand il saute du toit. Mais oui. Oui, je me souviens d'Aswell. Oui. Non, la grille de prison, je vais la garder. Attendez, qu'est-ce que je peux me débarrasser? De quoi qu'est-ce que je peux me débarrasser? Mais j'aime trop ces films-là. Double zéro. Quand ils jouent à température de cuisson, mais c'est tellement drôle. Poulet rôti. 10 minutes au four. J'aime trop. Elle me tisse cette scène, j'y vois encore. Mais oui. Sur toutes ces bonnes paroles, je voulais le faire dodo. Des bisous, bonne fin de stream. Des bisous, Titang. Des bisous. Bonne nuit à toi. Je te vois encore. Quoi? J'ai pas vu le film non plus, mais la scène de Nesquil me suit. Ah oui, il a pris une sorte de passage spatio-temporel. Désolée, j'ai un peu en lurk. T'inquiète pas, Leslie, y a pas de souci, y a pas de problème. Attendez, faut en terre cuite, épouvantail. Ça, on va le ranger, on va pas l'utiliser de toute façon. C'est plus la saison. Attends, Michaela, j'ai vu que tu l'avais mis, mais le remets pas. Le remets pas. T'es en train de faire là, tu récites en fait le discours, mais du coup on l'a passé depuis un moment, tu vois. Alors attendez, grille de prison, temps pour enfants, il n'y a pas de problème, marchand pierre, réverbère, poubelle, ça on va ranger, ça on range. T'inquiète pas, Michael, là c'est pas grave, je vais aller rejoindre Morphée aussi, ce BG. Bonne soirée à tous, des bisous, Sir Benjos, des bisous, de toute façon on va pas tarder, on va finir dans un quart d'heure. Le but c'est pas d'écrire le scénario, vous voyez. Tu sors une petite vanne, mais c'est tout. Tout à fait. Mais il n'y a pas de souci, Michaela, ne t'inquiète pas. Bantron. Alors, attendez. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de commencer à regarder. Peut-être pour la fin. Attendez. Est-ce que j'ai genre des lampes qui traînent? Non. Pas des trucs que je veux utiliser, en tout cas. La réponse est non. Non, les blanches, non. Non, let's go. Je dois y aller, bonne fin de stream. Des bisous, Noé. Merci d'être resté. Des bisous à toi. Des bisous, Noé. On en parle du pote qui pique la target de son pote. Je suis partie dans le truc de genre de film. À chaque colo, je me le mangeais. Il n'y a pas de souci, Michael. On en parle du pote qui pite la target de son pote. Comment ça? Dans Nos Jours Heureux, Michael? Je file fumer, puis je pense que j'ai rejoint de Morphée dans la foulée. Des bisous, Julia. Des bisous, Dame Julia. Des bisous sur ta truffe, comme dit Dame et fille.
des bisous. On va, de toute façon, on va pas tarder. Je vais voir chez qui. Vous êtes, combien? Attendez, je vais regarder comment vous êtes. Vue modérateur. Vous êtes 54. On va voir. Je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un. Yes, Youssef et Camille. Ah, mais oui, oui, tout à fait, Mickaël. Est-ce qu'on peut mettre un truc ici? Est-ce que l'attente pour enfants, elle passe? Ah, ça a pas l'air. Je pensais qu'elle faisait 4. Ah non, à cause de ça, tant pis. Allez, tiens. Je sais pas trop. Je pense que je vais vouloir mettre le camping ici, mais je pense qu'il faut que je ferme peut-être un peu plus derrière, ou je mette des arbres autour de la scène avec du chemin et tout. En vrai, je suis pas inspirée pour ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais quoi ? Attendez, elle ressemble à quoi, la petite tente ? Je l'ai placée, mais... Non, pas ça. Placée. Enlève les goûts. Ouais, mais vous pensez que ça peut le faire si je la mets là-bas ? Attendez, je vais checker. Mais enlève les goûts, l'eau. Peut-être ça aussi. Waouh. La grosse différence. Si les monos pouvaient s'occuper un peu des filles de leur âge, ce serait pas mal. Là, il me faut un truc de biais. Ah, ça peut être sympa, des petites tentes comme ça. Ah, je sais pas. Ou alors d'une autre couleur, peut-être. Je les ai toutes les couleurs. Il me semble. Attendez, je check. Non. C'est pas là. C'est des tentes. Si je mets tente, il va trouver. Je me découvre plus qu'à jouer. Des bisous, Noctalie. Des bisous. À la prochaine. Pas rose. Ah, la jaune. Hein, je sais pas. La marron peut être pas mal. La jaune, je sais pas. Je peux pas les commander, mais... Je fournis les créatures à Nook pour faire des... Pour faire une... Ah oui, ça marche. L'idée était bonne, mais j'aime pas trop. Bah, non. Non, ça me plaît pas. On va faire autre chose ici. Fait trop tente sur tente, vous voyez. Non, 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 non. Je pense... Non, la petite tente, faut qu'on la mette autre part. Faut que je vois ça. Faut que je pense ça. Ici, on mettra peut-être une arche fruit des bois, vous voyez. On rentrera dans le camping. On ressortira par ici. On mettra peut-être une arche aussi, mais ça veut dire qu'il faut que je la mette en... Ah, c'est chiant qu'on puisse pas mettre les trucs en biais. Ça m'agace. Donc on verra ça. On verra ça. Je pense que je vais m'arrêter là. On va... Je vais voir pour vous envoyer chez quelqu'un. Alors attendez. Les bronzés aussi, je regardais beaucoup. Ah, les bronzés, c'est drôle aussi. Oui, mais c'est des vieux films, ça. C'est des vieux films. Mais oui, c'est chouette. Ça, c'était chouette. Attendez. Hop. Je vais juste reprendre mon écran. Ah non, je vais juste quitter, en fait. Je suis con. Hop. Alors, qui y a moi je fais des bisous Pacouz, des bisous. Merci à toi d'être resté, des gros bisous à toi. Alors attendez, je prends juste voir qui stream. Oh, au secours. Tac. Alors, qui c'est qui fait du Animal Crossing? Personne. Sinon, on a Fen ou Xenul qui font du Among Us. On a Jill qui fait du Planet Zoo, Elta qui fait du Phasmophobia, Totoro qui fait du Phasmophobia, et sinon sur Animal Crossing il y a Roman, mais je la connais pas. Enfin, je la connais pas, j'ai jamais été. Je passe des fois sur sa chaîne, mais je le connais pas trop. Nobody, bah ouais, Nobody. Jigo aussi. Des bisous, Neswill. Des bisous. Jigo aussi. Des bisous, Michaela. Des bisous, tout le monde. Des bisous. Attendez, je fais des conneries sur. Des bisous à tous ceux qui vont se coucher. On va chez Fen. On va envoyer du love. On va juste envoyer du love sinon. On va envoyer du love chez Fen. Allez, allons chez Fen. On va chez Fen. Allez. On va débarquer. On va envoyer du love chez Fen. Fen. Allez, Fen, oui. Fen, oui. Tac. En tout cas, on va débarquer chez Fen, on va lui envoyer du love. Moi, je vous... pour le pouvoir du love. Mais oui, Scratch. Moi, je vais vous abandonner ici. On se retrouve vendredi pour du Sea of Thieves. On ira faire de la piraterie avec Nelou et Noabe.
Et peut-être au Clément, du coup, parce qu'il joue aussi à Sea of Thieves. Donc, en tout cas, on se retrouve vendredi. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'être resté sur le stream. Merci d'avoir partagé votre soirée avec la communauté des Feufeuilles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. Et on envoie du love chez Fen. Des bisous, tout le monde. Bye bye. Des bisous, MNES. Des bisous.